Bonjour, installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, merci. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci. Ouais, je bouge, cousin. Bouge, cousin, j'ai deux anecdotes. On n'est pas au musée Grévin. Yes, yes, yes. J'ai deux anecdotes à vous raconter. Là, j'ai des choses très importantes à vous dire. On a un petit débat. Grim m'a dit un truc là, faut que je rebondisse dessus. Mais avant ça, bonjour à tous. Salut tout le monde. Bonjour, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que j'avais hâte. Qu'est-ce que j'avais hâte. On avait trop hâte de vous retrouver parce que cette émission. C'est la dernière de l'année. Là. C'est la dernière de l'année. Là, je suis ému. C'est pas qu'on est content de vous voir. C'est qu'on est content parce que dans deux heures, on vous voit plus. On vous voit plus. Et je vois plus Maxime pendant un mois. Oh, let's go. Ah non, pas sûr. Je suis en train de préparer peut-être un. Non mais je t'en parlerai, mais peut-être que du coup c'est pas tout à fait fini. Dans deux semaines il y aura peut-être autre chose, mais ça on verra. En tout cas je suis content de vous retrouver les amis. On a préparé tellement de choses pour cette émission. Vous savez quoi, je vous jure que d'habitude le schéma c'est je suis à bloc stressé toute la journée. Et quand ça commence je suis encore plus stressé tu vois. Là, après tu déstresses et après tu restresses pendant deux semaines. Ouais c'est ça, sauf que là le schéma c'est j'ai tellement. On était tellement pas prêt aujourd'hui parce qu'en fait on a prévu trop de trucs. Ouais on a trop rushé trucs. Que là je suis tellement content de plus avoir un rocher partout. Là, juste, je suis assez. Là, c'est bon. Il faut laisser le truc se dérouler et tout va bien. J'espère juste qu'Inox va mettre du temps, tu sais, à répondre et tout. Je vais me poser tranquillou. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, bien sûr. Fruits nous accompagne toujours sur l'émission. Oui. On merci, les remercie. Fruits. Bien sûr, ils sont avec nous encore pour plusieurs émissions. Et c'est grâce à eux que vous allez voir, on a pu tenter. Plus de fruits dans le chat. Plus de fruits dans le chat. Et vous retrouvez, bien sûr, le lien de Fruits pour ceux qui sont intéressés. Vous tapez !Fruits. Bien sûr, vous avez toutes les infos. Merci à eux. Je voulais revenir sur un truc Grim parce que vous voyez j'ai acheté, désolé ça c'était pas prévu mais vite fait je voulais vous parler de ça. J'ai acheté en fait une vitre et je sais pas comment expliquer mais en gros tu vois de face mais sur le côté en gros, tu la vitre, vois quand t'es à côté tu vois pas. Voilà sur le côté tu vois plus tu vois. Et je me disais ma meuf a acheté pareil. T'as dit ma meuf a acheté pareil mais du coup je trouve un peu bizarre, je vais pas te mentir parce que t'es avec depuis quelques temps. Et elle n'avait pas ça avant, elle avait une vitre normale de protection. Ouais. Et un jour, elle s'est levée, s'est dit, je vais changer ma vitre de protection et je vais acheter une vitre de protection anti-visionnage, quoi. On ne peut plus regarder, quoi. Ouais. Ouais mais... Ça signifie qu'elle veut pas... Non, juste, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de souci, tu vois. Enfin, pour... Après, elle l'a acheté, acheté à pas très longtemps et tout, tu vois. C'est ça, le truc. Ben, en fait, quand tu l'as connue... Ouais. Elle n'avait pas la non. Elle avait une vitre de protection... Mais c'était à deux ans, enfin, on l'aurait acheté direct, quoi. Mais elle avait une vitre de protection classique, quoi, pour protéger son iPhone. Et là, elle a acheté une vitre de protection, tout pareil, sauf qu'on peut pas voir les messages qu'elle reçoit et tout, quoi. Mais c'est parce que y a eu travail et tout. Les amis, on a une grande nouvelle à vous annoncer. C'est t'as sûrement raison, mon pote Grim. Bah ouais. T'as sûrement raison, mon pote Grim. C'est sûr. Salut. Et on l'embrasse. Elle va regarder, c'est sûr. Elle regarde. Elle est pas occupée. Ouais. Elle est en train de regarder. Elle t'a dit, elle est pas occupée ou elle est pas. Ah, regarde, regarde. Elle regarde, c'est sûr. Ouais, elle va faire un petit résumé et tout. Tu lui demanderas c'est quoi sa séquence favorite. Chaque happening, je vais dire minute par minute ce qui se passe. Tu vas lui demander ce qui s'est passé. Ouais. Les amis, on a une grande nouvelle. Certains d'entre vous l'ont vu, évidemment. Nous avons un partenaire pour cette émission. C'est Ben & Jerry's qui nous accompagne. Et on les remercie. Ben & Jerry's. Et oui, regardez-moi ça. Bam. Boum. Hop là. Bien, bien en vue comme ça. Regarde. Hop là, nouveau sponsor. Vous le voyez en bas. Vous n'êtes pas content? Doublé. Deux sponsors. Bam. Hop, 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 hop. Incroyable. Merci à eux. Merci à eux de nous accompagner. On est très contents de les avoir avec nous. Ben & Jerry's, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, marque de crème glacée. Vous avez bien entendu dans le chat le point d'exclamation Ben & Jerry's pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, et pour l'achat, évidemment, de crème glacée. Il y a un autre point d'exclamation concours, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et en plus, grâce à eux, on a pu faire un petit tournage qu'on vous dévoilera un petit peu plus tard dans l'émission. En plus, j'ai le meilleur goût sous la main. Le meilleur goût sous la main, évidemment, cookie dough. Cookie moi, c'est mon préféré, je vais pas vous mentir. Ouais. Le cookie dough. C'est ça ou half-baked? Ouais, ouais, oui. Ah, c'est celui où il y a les deux. Ouais. Ok, ouais, pas mal aussi, pas mal aussi. Moi, je préfère cookie dough. Merci à eux. Merci à eux de nous accompagner. Redis-le. Ouais. Redis-le.
Cookie Dough. Cookie Dough. Et vous pouvez les retrouver bien sûr sur Uber Eats et Getir pour ceux qui sont intéressés. Et oui, je vois que vous spammez point exclamation concours. Il y a évidemment un concours pour avoir plusieurs gains. Je vous en parlerai bien sûr un peu plus tard. Pourquoi mon micro, je l'ai mis. J'ai emmêlé mon micro. C'est une dinguerie de faire ça quand même. Mais tu sais que je l'ai mis de l'autre côté de l'oreille. Ah, c'est bon, le micro, il me chatouille le cou. Ah, c'est bon, c'est réglé. Ouais, c'est trop bizarre. Merci à tous. Merci à tous parce que si aujourd'hui on a des marques qui nous font confiance. C'est grâce à vous et à votre soutien. C'est grâce à vous. Donc merci. À votre soutien. Et parce que vous nous faites confiance. Ouais. Et croyez-moi, ça va se ressentir sur les prochaines émissions parce que je ne veux pas vous en dire trop. L'émission est déjà pas finie, que les prochaines sont déjà incroyables. Oh oui, elles sont déjà prévues, je ne vais pas vous mentir. Et Crisio est un très mauvais CM. Ah ouais. Mais c'est relié à ce qu'on disait avant ou... Non, c'est pour le rappeler, quoi, comme il regarde. Clipsa, aimez-le. Frérot, en vrai, je ne vais pas vous mentir, et Crisio, du coup, c'est le CM de l'émission. Community manager. Il ne regarde pas l'émission. J'en suis sûr. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est à l'événement, là, que tu me disais. Oui. Il a proposé, écoutez-moi bien, regardez la dinguerie, à quel point on n'est pas respecté même par nos propres CM. Il a proposé à Grim une soirée ce soir. Il a dit, ouais, ça finit à 23, est-ce que t'es chaud de venir ? C'est le CM. Il a dit, viens, elle fait 20-23. J'ai dit, mais frérot, il y a Zen ? Il a dit, ah ouais. Non, mais est-ce qu'on se rend compte ? En vrai, et j'aurais aimé que ce soit une vanne. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, j'ai préparé, on a travaillé et tout. On ne sait même pas si sur Twitter, il va y avoir des clips, il va y avoir des trucs. Il va faire sa dingue habituelle. En gros, il va voir les top clips de ta chaîne, il va faire. Ah, il a l'air bien celui-là, il le regarde même pas. Oui, mais je pense vraiment que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. Genre là, honnêtement, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si on va avoir des clips sur l'émission. Ah oui, ça aussi, je voulais dire. Oui. On a un hashtag. On a un hashtag pour ceux qui veulent, bien sûr, hashtag. Oh. Zen émission, on a dit, c'est ça ? Zen émission. Bien sûr, pour ceux qui veulent. Parce que c'est le nom sur tous les réseaux. C'est le nom sur tous les réseaux. Entêté. Hashtag là, Zen émission. Là, tu vois, t'es gourmand. Là, regardez. Là, dans le chat, vous tweetez hashtag Zen émission, Team Grim ou Team Maxime ? Ou peut-être Fucky Cri. Ça, c'est malin. Marketing. Ça, c'est malin. Oh non, ne faites. Oh là là, vous allez spammer ça ? Non, spammez pas. Vous êtes Team Grim ou Team Maxime ? Ou alors, encore mieux. Avec le hashtag Zen émission, mettez votre parfum préféré de Ben & Jerry's. Oh là là. Dans le hashtag Zen émission, vous dites trop bien le moment où dommage y a Grim. Et ça va faire rire parce que les gens ils aiment bien cette blague, j'ai remarqué. Je sais pas si t'as remarqué, les gens ils aiment bien faire cette blague. Non, on peut la passer et tout. J'ai vu, les gens ils aiment bien dire ça. Sinon, moi je propose encore mieux. Vous spammez hashtag Zen émission, trop bien l'émission, dommage y a Maxime. On inverse, on change les tendances. Ah ouais, c'est le truc. On casse J'avoue les codes. Que je serais content que ce soit un peu ça. Voilà. J'aimerais que la méta change. Parce que c'est du harcèlement mérité, mais c'est du harcèlement quand même. Et donc, on cautionne pas le harcèlement ici, même s'il est mérité, on le rappelle. Et Crisio qui est dans le chat. J'ai vu un VIP passer, mais j'ai pas suivi. T'as mal vu. Frérot, j'ai vu un VIP passer, je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. J'ai vu un Omega Lul. Je sais pas si. Il y a moyen qu'il soit à sa soirée et qu'il mette des Omega Lul en mode. Dans tous les cas, ça passe. Ouais, en mode, hé les gars, regardez, je suis là. Là, dites-vous, il est en soirée, il a un gros ordi portable sur les jambes. Je te jure, c'est ça. Et Crisio, si t'es là, dis un truc par rapport à ce qu'on a dit. Vas-y, dis un truc par rapport à ce qu'on a dit. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Bon, mais là, il va écrire une tirade. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Les amis, merci à tous d'être là. On va tout de suite, bien sûr, accueillir notre invité. Vous l'avez vu, c'est Inox qui est avec nous pour une émission légendaire. Je pense que certains ont un peu leak les photos. Je vais pas vous mentir, à la fin du tournage. Tu les as leak toi-même. Non, on peut aussi remercier Théorus qui a leak l'invité. Mais Théorus, c'est un ouf, il a leak l'invité. En plus, c'est de la pire manière. Genre, il était en live samedi matin sur Minecraft et il y a un mec dans le chat, tu sais, pour rigoler, il dit trop bien que Maxime il ait invité Inox. Et Théo, ce gros débile, il fait oh putain, ils l'ont déjà annoncé. Mais en plus, s'il est pas sûr qu'on l'avait annoncé, il aurait juste dû dire ah, je sais pas. Tiens, au pire. Oui. Parce que, mais c'est ça qui me rend fou. En plus, le mec, il est malin quand même, parce qu'il avait pré-shot un peu. Donc, Inox, il avait mis dans sa story, alors qu'on n'avait même pas annoncé. Vas-y, il a mis la photo en Luffy. Il avait mis la photo en Luffy. Billy, il a tweeté la photo en Zoro, nous, on n'avait pas tweeté. Du coup, vous êtes à peu près. Bon, du coup, c'est la première fois où vous savez qu'en deuxième partie, il y a un truc One Piece, avec Billy. Quelle surprise. Voilà, peut-être qu'il y aura un Sanji à ma droite. Ouais, peut-être qu'il y aura Usopp, Sanji, Billy, Nami. J'ai l'impression que c'est plus un vrai secret. Alors. Mais au moins vous êtes au courant les amis. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements. Vous écrivez clap clap clap. Inox Tag est avec nous ce soir. Ah putain, je me suis fait mal. Mais c'est un peu plus, mec.
Le pire, c'est qu'il l'a fait. Le pire, c'est qu'il a fait en caméra. Le pire, il a enculé. T'as fait quoi? Mais j'ai tapé dans ça et en fait, tu fais mal là. T'as tapé sur le. Tu l'as cassé là? T'as tapé sur l'omoplate? Ouais, j'ai tapé. Non, c'est pas l'omoplate. C'est pas l'omoplate, frérot. L'omoplate, c'est ici, ton cas. Comment s'appelle le truc? Mais attends, mais les gars, faut le remettre. Mais frérot, t'es en train de nous dire, faut le remettre en mode, c'est pas toi qui a le. Mais tu sais que le pire, c'est qu'il a enculé hors caméra. Il y avait le jingle, gros, il a enculé. Il a enculé. Wesh, wesh. Oh, les feuilles. Attends, j'ai tout enlevé. Ah ouais. Désolé le chat, désolé. Non, ça arrive, franchement, ça arrive. Excuse, excuse. En fait, tu l'avais pas vu. Toi, t'as cassé mon tel, c'est un iPhone 14 Pro Max très très cher. Je le rachèterai pas. Ah putain. Ça va, mon frérot? Ça va, et toi? Ouais, je suis trop content que tu sois là. Moi aussi, je suis trop content. Frérot, t'es arrivé, ça fait une seconde, t'as déjà mis des papiers. Merci franchement pour l'invite, c'est un plaisir. Ouais, bah, salut le chat, est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Merci de m'avoir invité. Frère, un plaisir. Ils peuvent pas te répondre, ils écrivent à l'écrit là. Il va pas me répondre. Ils peuvent pas te répondre. Mais t'as encore cassé les feuilles. Mais gros, en même temps, t'as vu ce qu'il m'a fait? Lui, il arrive, il a cassé tes dents. Allez, mets-toi ta place. Il se porte l'organisation. Il dit l'organisation. L'organisation là. En mode, il a pas mis. Il a gommé le desk. Eh, viens. Vous voulez que je vienne avec vous? Non. Ok. Non, je te jure, non. Frérot, première question, on est hyper content de te recevoir. Comment tu vas? Bien, et vous? Wouh! Ça va, Grim? Applaudis, frère. Ça va, et toi? Grim Montana. Et il a rigolé, hein. J'ai la haine, j'ai rigolé. Il a rigolé. Dis-le maintenant, tu l'avais prévu ou pas? J'ai prévu. Il en a 5 d'écrites, ça se voit, il en a 5 d'écrites. Il a écrit des vannes. Je suis dégoûté. Non, j'ai pas écrit des vannes. Oh, l'émission, j'aurais rien à faire. Oh là là, il va mâcher le travail. Tu sais que. Non, les gars, franchement, ça fait plaisir d'être là. Non, je te jure. Parce que ça, tout ça, ouais. Félicitations pour votre émission, c'est très bien. Non, c'est vrai ou pas? Tu penses ou pas? Non, je le pense vraiment. Wouh! Et j'aurais pas dit oui si ça aurait pas été bien, tu vois. Ouais. Ouais. Du coup, ça me fait très plaisir d'être avant, là. M'a mis avant, frère. Non, désolé, j'ai pas fait exprès, Max. Ah, t'as pas fait exprès? Ben oui. Voilà. Oh, voilà. Je jure, frère. En vrai, félicitations. Dommage que Webedia donne que 1000 euros pour l'émission. Ouais, ça c'est vrai. Fois, mais c'est il y a 1000 euros? Ouais, frère. Ils sont où? Mais j'ai une nouvelle. Ouais. J'ai une bonne nouvelle. Tu vas racheter l'émission. Oh, putain, vas-y, rachète l'émission. Oui. Non, je vous l'annoncerai tout à l'heure. Mais j'ai une nouvelle que. C'est vrai ou pas? J'ai une nouvelle que je dois vous dire tout à l'heure. Je vous dirai après. Oui. Okay. J'attends, faut pas tout dire direct. En fait. Ah putain, mais tu sais que c'est la première fois qu'on a des trucs, des gens qui nous disent des trucs alors que nous on n'est pas au courant. Oh, c'est là, la première question là qu'on pose à tous les invités dans Zen. Parler argent. Pourquoi t'as accepté de venir? En vrai, de vrai. Parce qu'il y a Grim. Pour le buzz. Oh. Ouais. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Bravo. Tu devrais être fier de toi. C'est vrai ou pas? Ouais. Non, c'est vrai, c'est parce qu'il y a Grim? Ouais. C'est une dinguerie. Tu fais quoi? Attends. Mais surtout toi. Cool. Yes, go! On l'a baisé! On l'a baisé! Il a cru ce chien! Attends, assis-toi! C'est quoi le concept de l'émission exactement? Le concept. Juste faire des blagues ou faut. Non, franchement, là, je te fais une petite interview et tout, tu vas voir. En gros, je t'explique le concept de l'émission, c'est très simple. Là, je vais te poser des petites questions. Vas-y. D'accord? Je vais te poser des petites questions sur ta life et tout, on y répond. Mais c'est vraiment une vraie interview et tout, hein. Ok, ça veut dire là, faut que je parle dans vrai, dans le vrai. Faut que tu parles dans le vrai de fou. Ça marche, ok. Faut que tu ouvres ton cœur. Ok. Et après ça, petit jeu, petit machin, petit truc, ça va être sympatoche. Ok, mais trop bien. En vrai, toi, t'as été un bonhomme parce que Kameto l'a fait aussi, mais les gens sont à peu près au courant de ce qui se passe normalement. Toi, t'as dit me spoiler pas. Donc non, moi, je sais pas ce qui va m'arriver. Ouais, t'es pas trop au courant. Non, t'es pas trop au courant. Okay. Je sais juste qu'il y a un truc de fou après. Ouais, il y a un truc de fou. Oh, Il y a un truc de fou là, évidemment. Bon, Inox. On va commencer l'émission tranquillement, installe-toi, on va parler un peu de toi, de ta carrière. Ouais, installe-toi tranquille. Mais je suis bien installé là. Bah ouais. Il est bien le. Il est con bien, quoi, le... Ouais, il est bien. Ah, il est bien. Il y a mon écouteur qui dépasse, on m'a dit. Où c'est qu'il dépasse? Ah ouais, parce que j'ai un écouteur, faut pas dire. Faut pas le dire, les gars. Ouais. J'ai répété, fallait pas le dire. Fallait pas pourquoi dire. Tu l'as dit alors? Bah, j'ai dit à votre qu'on m'a dit dans l'oreillette en fait, je voulais pas dire. On va parler un petit peu de toi et ta carrière. Après, ça va monter un peu, mais pour l'instant, c'est chill. Inox, tu commences ta carrière sur YouTube hyper tôt. Ouais. Tu devais avoir quoi, genre 11 ans à la base? Ouais. Tu jouais à Minecraft? Ouais, c'est ça. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Exactement. Oh, on a taffé. Non, mais on a taffé des recherches. Non, on a taffé. Bah, c'est pas facile à trouver après. Non, c'est pas si facile. On a taffé. Cherchez pendant 1000 ans, frère, pour trouver tout ça. T'as juste tapé Inox ta Wikipédia, frère. Ouais, j'ai tapé ça, frère. Qu'est-ce qui t'a envie de. Qui t'a donné envie un peu de te lancer sur YouTube? Surtout si gêne, en fait. Le buzz? Non. Frérot, il a plus de buzz que. Son chien? Son chien, il a plus d'abonnés sur Insta que nous deux en mélangé. x2. x2. Mais en vrai, moi, ça veut rien dire, les abonnés, en vrai. Ouais. Tu dis ça pour nous faire plaisir, frérot? Non, vraiment. C'est pas parce que t'as 6 millions d'abonnés que t'es mieux que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Vas-y, donnez-moi alors. Du coup, pourquoi t'as voulu te lancer sur YouTube si tôt, mon gars? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bah, mec, j'ai toujours voulu aller sur YouTube parce que j'ai voulu.
C'était pour faire comme les gens qui étaient sur YouTube, genre. Ouais, tu voulais faire pareil. Ouais, les ouais, voilà. Tu regardais des gens pareil. Et tout. Ouais, je regardais, je me disais, ouais, j'ai envie de faire pareil. Et voilà, hein, et un jour, je me suis lancé, et voilà, hein, ça fait plaisir hein, d'être sur ce plateau. En fait, je me suis dit que peut-être la finalité, c'est d'être sur ce plateau. En fait, tu vois, c'est un gratteur, tu vois, c'est un gratteur de buzz, rien, c'est dingue. Il a tout prêt pour venir gratter dans l'émission, tu vois, c'est un truc de ouf. Gros, je te jure, on lui apporte aucun buzz. Mais non, mais les amis, arrêtez. Arrêtez cette histoire de buzz. Arrêtez de dire j'apporte, on apporte du buzz. Zoomez sur lui, faites des clips quand il dit ça. Vas-y, vas-y, non, mais vas-y, non, mais moi je vais dire un truc. Vas-y, dis. Si j'ai envie de venir, que j'ai 1 million d'abonnés ou 3 millions, ça change rien du tout. Ou 75 000 sur Insta, 77 000. On s'en bat les couilles. Nous sommes pas des chiffres. Nous sommes des êtres humains. On est tous des êtres humains. C'est pas parce que t'as 2 viewers que t'es plus haut que quelqu'un qui en a 1 million. C'est l'inverse, frérot. Donc arrêtez de parler de buzz, de nudge, de force, de mais de je sais pas quoi. On est tous équitables. On est tous équivaux dans ce monde. Putain, on est... T'es un Sigma, Grim ? Est-ce que t'es un Sigma ? C'est ce que c'est un Sigma ? Je suis un Dota 2. Ouais, frère. On est tous équivaux dans le monde, il a dit. J'ai stressé. Pourquoi t'as dit Dota 2, frère ? Si tu disais Sigma, oui, t'aurais dit un truc. Grim, est-ce que tu sais c'est quoi un Sigma ? Sigma, je crois, c'est quoi ? C'est un Alpha ? Non, c'est un Alpha, c'est encore en dessous. Sigma, c'est au-dessus que Alpha. Mais Sigma, c'est pas les mecs. Dans le chat, vous êtes quoi ? Vous êtes des Sigma ? C'est des pas les mecs qui font des bêta. C'est pas les mecs qui font des vieux speeches sur TikTok là ? Non, mais tu sais, ils ont la gueule comme ça. Il faut avoir un peu les. Il faut t'as avoir un les. Problème contre les gens qui ont la gueule comme ça ? Wesh. Attends, mais c'est du délit de faciès. Quel boy ? Non, mais je sais pas. Oui, il veut me piéger, frère. Non, j'ai aucun problème, mon frère. Ok. Je sais pas, non, mais t'inquiète. Non, tranquille, j'ai aucun problème. Non, t'es un ouf. Okay. Moi, j'aime tout le monde ici. Attends, de toute façon, toi, t'as un Sigma, ça se voit. Ouais, non, Sigma, frère. Toi, t'as un Sigma. Non, toi, t'as le Sigma. Oui, toi, t'as le Sida. Zeta. Oui, toi, t'as un Zeta. Non, mais... Zeta, c'est le meilleur. C'est au-dessus de Sigma. Ah ouais, ouais. Lui, mais c'est un. On l'a inventé que pour toi, c'est Zeta. Lui, c'est un nom latin. Fils et des chiens, nous. C'est pas du latin. Fils des chiens. C'est quoi celui-là ? Celui-là, c'est un truc de ouf. Il y a que lui qui est comme ça. Toi, t'es un Sigma. Lui, il a le Sida. Ah, c'est ça ton problème, frère. Tu vois, on commence à parler, on commence à faire des trucs, on veut faire un peu les émissions. Toi, t'arrives, tu poses ta merde. T'arrives, tu poses ta merde en plein milieu de l'émission. T'es un CIA, frérot. T'es un CIA. T'as dit fils de chien, t'es fier ah de toi. Ah non, frère. Mais frère, c'est du latin, j'essaie de relever le niveau. C'est lui, non, j'assume pas. Moi. Hey. Mais par contre, vous devez être en cohésion d'équipe. Ouais, t'as raison. Ouais. Parce que là, tu vois. Wow. Oh quoi? Mais tu vois là. C'est exactement ce que je disais. Frère, il dit. Il y a pas de cohésion, vous vous insultez à longueur de journée. Inox, c'est quoi? Soyons ensemble, les amis. Soyons soudés. Allons vers le haut et poussons-nous vers quelque chose de bon. T'as raison, frérot. Voilà. T'as raison. Maintenant, réponds-moi à ma question, sincèrement. Tu penses que c'est qui m'a fait ça là? Pourquoi t'as 6 doigts? J'en ai 5, t'es sérieux? Ah ouais, non, c'est. Non, c'est une drôle d'agression. C'est trop. Désolé, c'est il qui c'est il a vraiment dit ta main elle est trop moche. Ouais, t'as vu? Il a dit CIA direct. Non, mais... Il m'a fait saigner ici. Il m'a fait saigner ici, ce fils de chien là. Regarde. Frérot, t'insultes. C'est le chien le plus aimé des Français, tu l'insultes, t'es un ouf quoi? Eh hey, frérot, moi il m'a entamé, je dis rien. Frérot, va. Merci mon ref. Y'a pas de soucis, frérot. Sartre, ouais, t'es un bon. Non, toi t'es un bon frérot. Non, toi t'es un bon frérot. Bien vu les gars. Franchement, merci. Là, l'émission a commencé depuis 15 minutes, on a posé qu'une question, salut, ça va? Ouais, c'est ça. Franchement, c'est lourd. Franchement, c'est lourd, l'interview. Moi, je m'amuse. C'est la meilleure interview que t'as faite. Bah ouais, tu vois. Ouais. Okay, c'est mieux que Combini. Combini. Merci. Combini. Non, ils ont joué le jeu. J'ai fait une interview avec eux, j'ai envoyé un autre gars, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu et ils l'ont perdu. Il a envoyé un autre gars. Oui, j'ai envoyé un autre gars. Le manque de respect de non, je pense que mais dis-le, dis que c'est un manque de respect, fais-toi imposer, t'as un Sigma ou pas ? En fait, ouais, je suis un Sigma, t'as raison, ouais, t'as raison, mec. Voilà, ouais, t'as raison, mec. Ouais. Eh, viens où ta passion des jeux vidéo, parce que tu joues à plein de jeux, Rocket League, CS:GO et tout. Ça t'est venu d'où cette petite passion là ? Mec, en vrai, je kiffe être dans mon PC jouer. Tu peux pas être dedans, à la limite devant. Ouais. Après, ça dépend. Il peut avoir un très grand PC. En mode, il vit dans un PC. Ouais, tu vois ou pas ? Bah en tout cas moi j'ai toujours kiffé jouer aux jeux vidéo. Donc du coup j'étais un gros geek, voilà. T'étais un gros geekos, ouais. Mais depuis très longtemps encore un, hein. Ouais. Mais depuis très longtemps, voilà, c'est ça, c'est ton truc quoi. C'était mon truc. Et voilà. Du coup quand tu t'es lancé sur YouTube, t'étais direct dans l'optique de bah voilà, je fais des jeux vidéo, je joue. Bah, je voulais percer, je voulais du buzz comme Grip. Voilà, de quoi voilà. Non, c'est Maxime, il veut le buzz. Ah bah en tout cas, je voulais du buzz comme vous et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quand tu veux du buzz qu'il ne vient pas. Ah ouais. On arrête de là, je déteste le buzz, beurre, à vomir. J'aime pas le buzz. C'est pas vrai. Là, vous faites semblant. Vous faites ça pour pas avoir pour avoir le buzz. Ça marche pas comme ça, les gars. Non, t'as raison. Ouais, frère, t'as raison.
Il a raison, il a raison. J'ai live hier, j'étais à 15 viewers, gros. Je crois. La crime, il faut que tu fasses, faut que tu dises fuck le buzz, en fait. Fuck le buzz. Fuck le buzz, voilà, comme BBJ, voilà, a dit. Voilà, c'est comme ça que je veux l'entendre. Bah ouais, frère, bah oui, voilà. Il a raison. Toi aussi, Maxime. Fuck le buzz, frère. Voilà, fuck comme le BBJ, il a dit, je vais. Fuck le buzz. Exactement. Mais BBJ, il va pas te citer, frère. Arrête de l'appeler. BBJ, merci de me citer dans les sons. T'as jamais cité, tu citeras pas. Si, t'as pas écouté l'album. T'as pas écouté. L'album. T'as pas écouté. Ok, c'est quoi le nom de l'album? New Old Wine. Because. C'est New Blues Old Wine, fils de pute. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit New Old Cold Wine. Non, pas, j'ai dit exactement ce qu'il a dit. Je sais pas, c'est qui ça, bébé. Bébé Jacques, frère, tu connais. Il a le béret. Paris, comme Marseille, ça. Marseille, Paris, tiens, prends mes paillettes. Prends mes paillettes. Ah, tu ouais, vois. Le, le pote nouvelle de Chai. Café dans la saison. Café de... la nouvelle école. C'est bon, voilà. C'est après, bon. Je sais pas s'il est pote avec Chai, mais ouais, tranquille. Ça, mais en tout cas, c'est, je vois c'est qui maintenant. Inox 2017. Il dit fuck off. Voilà, il connaît. Tu vois, il connaît. Inox 2017, il y a un jeu qui va tout changer pour toi, c'est Fortnite. Ouais. Fin 2017. Début 2018, là c'est l'explosion. 2019, c'est le million sur YouTube. C'est allé hyper vite. Comment t'as géré le succès d'un coup? Parce que t'étais encore au lycée, t'es quand même allé jusqu'au bac et tout, t'as eu la mention assez bien, je crois. Ouais, j'ai eu mention assez bien. Non, mention assez bien, ouais. J'ai eu mention assez bien au bac. T'es pas sûr de toi, t'es en train de mytho là. Non, si, non. 96 000, c'est tout. C'est quoi? C'est tout, wesh. C'est tout. C'est les abonnés. Mais pourquoi tu te moques? Pourquoi tu te moques? C'est tout, non mais. Wesh, 96 000. T'as combien toi? Tu vois toujours le buzz, t'as vu, il a encore parlé de... Il est tout le temps dans le buzz, il regarde les stats, je suis sûr, là, il a le téléphone avec le nombre de viewers. Vas-y, combien de viewers, pas là tout, 24 584. C'est ça ton problème, c'est ça ton problème. Mais en vrai, ouais, il y a un truc à tout changer pour toi, et c'est vrai que je pense que t'es... En vrai de vrai, tu peux pas être préparé à ça. Non. D'un coup, les gens te reconnaissent et tout, c'est... ça doit être vraiment une dinguerie, non? Non, en vrai, tu te rends pas trop compte. Ah ouais pas... Mais moi, en vrai, je fais comme si j'en avais encore 10 000. Ah ouais. Voilà. Mais les gens doivent te dire, frérot, tu peux plus faire ça. Ouais, je peux plus dire ce que je veux. Ça pourrait pas un peu appeler. Non, en fait, faut faire attention à ce que tu dis, en fait. Ouais. Parce que des fois, tu parles comme si c'était pote et tu te rends pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent et faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Et même, t'apprends aussi de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Surtout que toi, du coup, t'as pas eu le temps d'être formé à ça parce que du coup, direct, ça a explosé. Tu t'es retrouvé devant plein de gens et là, direct, tu dois apprendre en faisant. Mais du coup, forcément, ouais. Voilà, tu sais c'est pas. Ça, ouais. Tu sais pas. Et du coup, quand t'étais au lycée et tout. Il y a des trucs qui ont changé en mode les gens te reconnaissaient et tout, ou ça va, c'était encore on te laissait tranquille, tu vois. Non, les gens ils rigolaient un peu. Ouais. Ils étaient cool, mais ils mettaient des vidéos peu, sur les ah ouais. interactifs ah ouais. et tout. Genre en mode ah, c'est le gars qui fait des vidéos sur YouTube. Ouais, voilà. Ah ouais. Mais ça, c'est vrai que nous. J'allais faire la phrase de vieux. J'allais dire nous, moi quand j'étais petit, c'était la honte en vrai de faire les vidéos un peu, tu vois. Ah ouais. Bah, t'avais pas envie de. Si t'avais une chaîne YouTube, t'avais pas envie ouais, que les gens si ça marche pas, les gens ils te vannent quoi. Ouais, c'est ça. T'avais pas... Moi j'avais une chaîne YouTube quand j'avais genre 12 comme ans. Tu viens de faire quoi. Ouais, exactement. Non. Toi ta chaîne elle fait 3 viewers, tu vois. Et... Mais pourquoi tu parles encore de. Elle mais fait 3 viewers, c'est pas une insulte ça. Bah oui, mais. Il y a des gens ils font 3 viewers, c'est-à-dire t'insultes tous les mecs qui font 3 viewers. Tous les mecs qui regardent, tous les mecs qui font 3 viewers. Je vous déteste, tous ceux qui font 3 viewers. Je vous. Tu viens d'insulter Rémi et Rémi Tennis et Théo. Pardon Rémi, Théo Russe, je rigolais, c'était pour rire. C'était pour rire. Non, je vois. Vous voyez comment le buzz ça change un homme? C'est fou ça. Dis pardon. Pardon. Moi je suis aberré, c'est vraiment une société. Ah, t'es aberré frérot, c'est attends, je te remets ta chaise mon c'est frérot. C'est une société matrixée par les statistiques. Non, je m'explique, vous m'avez mal compris les gars. Du coup je suis rentré dans la blague. Moi tout. Je suis venu là Maxime parce que je pensais que tu m'aimais et que c'était pas juste parce que frérot, j'avais 6 millions d'abonnés. On a joué à Smash pendant 6 heures, vrai ou pas? Oh, non, par contre, attends, Inox. Tu m'as rincé pendant 6 heures, ça veut dire que je t'aime ou que je t'aime pas ça? Ouais, ça veut dire que tu m'aimes. Non, bah ouais, Inox, frérot, tu joues ton perso de merde là. Ton perso de merde qui fait 30 000 de dégâts. Sur ton téléphone, il t'a renommé 6 millions d'abonnés. Enfin, gros, j'ai même pas son numéro, je crois. Quoi? Il t'a renommé 6 millions d'abonnés. J'ai pas son numéro, Ah si, j'ai ton numéro. Tu m'as pas renommé 6 millions d'abonnés. Je t'ai appelé Inès, comme si on était vraiment potes de ouf. Ah ouais, tu vois ou pas? C'est une dingue. Toi, t'es un bon. Ah ouais, frère, abuse. À un moment, fais un effort, frère. Non mais ah oui, mais c'est le budget de l'émission là. Il a cassé. Si on fait ça, elle est mort. Je vais aller voir Olivier Boyer, je vais lui dire rajoute de la thune sur Zep. Il y a que toi qui frérot, je te dis, il y a que toi qui peux nous faire cette émission. Je t'en supplie. Attends, j'ai une nouvelle après. OK, vas-y, ça marche. J'ai pas encore dit ma nouvelle les amis. OK, ouais, c'est vrai, t'avais dit que t'avais une nouvelle. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont sur le live. Merci à vous. Et prenez soin de vous. Ouais, t'es gentil. Ouais. Voilà. T'es gentil de fou. Voilà. Je pensais qu'il allait avoir prenez soin de vous les gars. Mais c'est pas fini, on fait notre rôle là, c'est fini. On y va. Dans les non, mais de l'année. Faut le dire de temps en temps. T'as raison. Parce que les gens ils sont gentils, ils restent, ils sont là pour nous et tout. Donc faut remercier. Moi je remercie souvent. Mais merci le chat, ça. Merci le chat d'être là, ça. Franchement vous êtes là pour le plaisir. Mais bien sûr n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des pubs. N'hésitez pas à donner de l'argent. Même si on fait pas ça pour le buzz avec Grim. C'est des bâtards ce qu'il a dit. Prenez soin de vous. Ils ont tous mis OK. Mais c'est des bâtards. Ouais, arrêtez, c'est ça. Tu vois comment ils le rendent. T'as dit prenez soin de vous. Ils ont dit OK. Il va de quand il a dit ça.
T'es déçu ou pas? T'es déçu des gens? Pourquoi ils spamment OK? Bah parce que t'as dit prenez soin de vous, ils ont dit OK quoi. Bah c'est gentil quoi, ils acceptent. Tu vois, ils sont en mode OK, OK, je prends soin de moi. C'est plus en mode vas-y gros, garde la pêche. Non non, c'est en mode OK, on prend soin de nous quoi. Ah ouais. Ou pas. Tu vois ou pas? Je pense, c'est sûr c'est ça. OK. Avec le succès, Inox vient forcément les haters, comme les gens qui disent OK là, tu vois. Là tout ça c'est des haters contre moi? Non, je pense pas frérot, parce que la vie de ma mère, ils sont là en mode ils font une vanne quoi. Tranquillou, toi. Ok, là, c'est pas des haters. Non, ça, c'est pas des haters. Non. C'est des haters de Maxime. Allez, les gars, vous êtes pas des haters. Baissez pas, parlez normal. Ok, non, c'est bon, c'est pas des haters. Voilà, tu vois, quoi. C'est pas des haters. Il vient aussi. Tu l'as vu, Inox. Je suis un hater et j'assume. Frérot, y a pas de. C'est Christian qui l'a vu. C'est Christian qui l'a vu. C'est Christian qui a vu ça. C'est qui? Oh, l'enculé, Christian, c'est le CM. C'est le CM. Ah, mais oui, je le connais. Le bâtard. Et Christian, il faisait des GFX Minecraft. Oui. Wow. C'est vrai. L'époque. Il y a pas beaucoup de gens qui font ça. Hein. Ok, y a pas de haters, c'est bon. Non, y a pas de haters. C'est bon, on est tous ensemble. Est-ce que t'es sensible, toi, genre à ça, aux commentaires, aux méchants et tout? Non, moi, je pense vraiment que dans la vie, tu peux pas être aimé par tout le monde. Donc faut faire avec. Toi t'as plus de maturité que moi parce que moi je vous jure que là je vais le dire. Mais c'est pas ton interview. Je devrais. Mais c'est. J'allais. T'es quoi? J'allais te saucer. Bah nique ta race. T'as tué. Ah tu l'as tué. Est-ce que t'as eu? Ah sale bâtard. Que tu penses qu'à toi. Tu veux que parler de toi. J'allais le saucer. C'est dingue. Il m'a éteint. Je suis dégoûté. Ah il t'a niqué. Là y a plus d'amis. Là y a plus de frères. Y a plus de machin. Y a plus de blagues. Y a maintenant je vais faire ma putain d'émission. Lui il a encore cassé mon putain de fauteuil. Hein? C'est quoi ce fauteuil? C'est quoi ce fauteuil Inox? C'est le fauteuil du 5e. Bah je sais. Mais c'est un enfant bleu, il est né à Webedia, frère. Ouais, c'est vrai, il est né dans le parking, frère. Mais non, c'est pas né dans le parking, qu'est-ce que tu racontes? Il est né dans le parking de Webedia, t'es là depuis 1000 ans, frère. Je suis pas né dans le parking, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, c'est bon. Pourquoi t'en brûles invité, frère? Ok. Pas l'invité, c'est bon. En plus, il est né au deuxième. Voilà. Mais je suis pas né au deuxième, mais qu'est-ce que tu racontes? Au deuxième étage, je te donne une astuce. Ils font des cours de yoga le lundi. Si tu veux aller. Viens un jour, on y va, s'il te plaît. Viens, on va faire du yoga. Tu veux pas dire la question d'après, là? Ouais, question d'après. Une bonne ambiance en tout cas, ça fait plaisir. Inox, tag. Ouais. Maxime Sarr, je suis content d'être là. Ah, let's go. Tap. Allez hop. Comment tu fais de nouvelles rencontres en vrai de vrai? Est-ce que c'est dur de faire des nouvelles rencontres? Parce que du coup, tu te dis, ouais, je rencontre pas. Pourquoi il me parle? Pourquoi il me parle pas? Comment je fais? Parce que tu peux plus vraiment. Quand Maxime te parle, tu sais, c'est intéressé quoi. Bah, toi, je sais que c'est pour le buzz que tu m'as contacté. Après, bon, c'est pas grave, hein. Non, tant qu'on se le sait et qu'on se le dit, moi ça me dérange pas. Non, en vrai, en termes de rencontres, c'est vrai que moi j'ai un peu peur de rencontrer des gens. Ça c'est dur, tu vois, de faire de nouveaux potes et tout, des mecs, t'es un peu sur la défensive. Mais je rencontre des gens. C'est-à-dire, je suis pas en mode ouais, tout le monde est mauvais et tout. Non. Mais en vrai, au début je me cache un peu et plus j'apprends à connaître la personne, plus. Tu retires la carapace. Voilà. Le Inox. Laisse la place à Inès. Voilà, ouais, c'est exactement ça, elle est belle. La fouine versus la ouni, frère, t'as tout dit. T'as et après, tout dit. Des fois, il y a des gens, je les vois comment ils sont, mais au fond de moi, je sais qu'ils ont un intérêt, mais ça veut pas pour autant dire que... Oui, mais ça veut pas pour autant dire que je vais être méchant avec eux. Ouais, tu mais vois, juste tu le sais. Je sais que lui, on sait jamais, tu vois. Pourquoi tu dis ça en me regardant? Prochaine question. Par exemple, est-ce que tu peux... te dire ouais ce soir j'imagine que j'ai la réponse mais vas-y je vais boire un verre avec des potes dans Paris. Bah oui. Tu le fais? Bah oui je le fais. Et t'es pas emmerdé? Bah non. Tu peux le faire ça? Ouais. Ah je pensais, tu vois pour le coup je pensais pas. Moi je pensais que t'étais en mode je peux plus sortir. Non je peux encore sortir, T'as pas peur qu'il y ait genre des gens qui viennent soit te casser les couilles soit un fou qui viennent te voir ou je sais pas? Non. Non t'as ça pas, va. T'as pas de garde du corps ou truc comme ça? Non. Tu sais que Maxime a pris des gardes du corps. Moi j'en ai 7. T'as 7 gardes du corps? J'en ai 7, ouais. Et ils ne servent à rien. Le caméraman, c'est un garde du corps? Ouais, tous. Ok. Mais le truc, c'est que personne ne me reconnaît. J'avais vu des mecs payés à ne rien faire à ce point-là. Bah oui. Juste, ils marchent avec toi. Bah, parce qu'en fait, quand je sors dans la rue, personne ne me connaît. Mais du coup, j'ai quand même 7 gardes du corps. Ça fait un peu stylé, tu vois. Moi, je te connais. Ouais, tu me connais, c'est vrai. Tu m'as connu comment? Et eux, ils te connaissent? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, frérot. Ah ouais? Mais tu vois, je pensais pas, par contre. Tu m'as choqué là. Pourquoi? Je pensais que t'étais vraiment en mode. Bah ouais, tu peux plus en faire mode, tout ça. En mode enfant star, genre tu non, mais c'est non, 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 je suis pas une star. Loin d'être une star. En tout cas, ça a très vite marché. Et tu t'es ouvert à d'autres trucs que le gaming. C'est ça aussi qui t'a aidé. T'es sorti un peu de The Gaming, que ce soit vlog, autre type de divertissement. Abrège? Frère.
le vrai visage. Tu vois, ça, c'est le vrai visage. Tu vois, mais t'es moins d'écriture. Non, mais je rigole, Max. Je te t'aime. Vous voyez, ça, c'est le vrai visage. Non, mais les amis, non, mais les amis, je rigole. C'est une vanne. C'est pour l'émission. Clippé et coupé au bon moment. TikTok, vous mettez le vrai visage. Clippé. Inox tag, merde, dans l'interview. Non, c'est bon. Je vous explique. C'est la dernière émission. C'est-à-dire que l'année prochaine, vous avez toute une. Yes. En vrai, c'est toi. Une panoplie d'émissions. Ouais. Vous devez être prêt à tout type de comportement. Vu qu'en 2023, c'est toi le producteur en plus. J'ai une nouvelle à annoncer, mais j'ai pas encore annoncé. Ok, vas-y, tranquille. Donc ça veut dire, les amis, il faut vous préparer à tout. Ok. Préparer. Ok, voilà. D'accord. Donc ça veut dire, là, je vous teste. Je suis gentil, méchant. Là, bientôt, je vais faire le Sigma. Après, je vais tenter d'autres trucs. Ok, ça marche. Attends, t'as un plan, quoi. T'as un plan d'attaque. J'ai tout un plan. Ok. Est-ce que c'était un choix de ta part de vouloir montrer autre chose que du jeu vidéo, etc. ou juste t'as fait ce que tu voulais sans réfléchir, t'avais pas de plan et ça s'est passé comme ça? Bah moi de base je voulais faire que du Minecraft sur ma chaîne. C'est assez clair. Voilà. Ouais. Et après ça a changé. Après ça a changé. Voilà, mais après ça a changé. C'est une fois. Hein? Du néon. Ouais. Comment ça du néon? Genre en mode tu t'es dit un matin vas-y je vais faire ça. Attends, son contenu. Voilà. Attends, tu dis son contenu c'est le néon là? Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Après j'ai chacun son avis. Ouais. Moi c'est pas le mien, frère. T'inquiète, Max. Merci, mon si frère. C'est ton avis, y a pas de souci, mon ref. C'est pas mon avis du tout. C'est quoi le bruit qu'il y a derrière? C'est quoi le bruit qu'il y a derrière? Vous voulez que je m'emmène? Bah la dernière fois qu'il y avait du bruit, il y avait des travaux, frérot. Ouais, c'est. Hey, regarde. Oh, il regarde. Hein. Ouais. Pourquoi il y a les flics là? Wesh. Ça fait quoi encore? Wesh. C'est quoi? Je reste là. Wesh. Ça fait encore gros. Wesh. Oh là là. Wesh, il fait quoi lui? Oh, le sorcier. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Waouh. Ah ouais, il est en croco. Il a des belles choses. Bonjour monsieur, hein. on est en live. On a signalé une tentative d'homicide ainsi qu'un vol avec effraction. Quoi? Ah ouais? Un vase d'une valeur inestimable a été volé. A voulu être volé. Attends Max, bouge pas. Ouais, vas-y, je bouge pas frère. Et monsieur. Ouais, comme ça il nous casse pas les couilles. C'est une dinguerie ça. Plus. Mais c'est bizarre l'interview là. Attends mes frères. Comment ça me raconte? Par contre, ça c'est un vase de quelqu'un de Webedia, on est mort. Et continue, t'inquiète, il s'est perdu. En vrai, on l'oublie, on enchaîne. Wesh! Wesh! Il était en mode comme ça! Mais vous avez trouvé des preuves sur le plateau? Fin de la pièce. C'est bon, je crois. Oh putain, j'ai vraiment fait trop peur. Sur les lieux du crime, on a retrouvé deux pièces à conviction. Une paire de TN ainsi qu'une Norfolk. Ah, mais ça, c'est moi! Pièce à conviction. Mais attends, mais. T'es ouf? Oh, mais attends, c'est toi. Attends, mais c'est lui? T'es ouf, quoi? Non, c'est lui. Mais pas du tout. Attends, mais ça me rappelle. C'était pas pour Max, c'est pas des TN en plus. Ça me rappelle quelqu'un. Ainsi qu'une North Face et pour finir, des croquettes pour chien. Des croquettes pour quoi? Des croquettes pour chien, monsieur. Attends. Ah, ça, c'est pour Grim. Attends. C'est sûr, c'est Grim. Frère, il y a la TN, la North Face, les croquettes non, pour chien. Non, on sait pas, monsieur. On sait pas que ça peut être. Je vois que vous êtes sur ça peut être. On a récupéré les images des caméras de surveillance. Oui, bon, force à Watt, mon ref. Est-ce que c'est possible de diffuser les images, s'il vous plaît, monsieur? Ouais. Quelle image? Ouais, vas-y, diffusez les images. Allez, on envoie les images de surveillance, s'il vous plaît. Hein? Mais c'est quoi ça, Grim? Ouais, de North Face. North Face, c'est des TN? Mais c'est Ziak? Enfin, c'est qui? Ah non. Oh enfin, c'est qui ça? C'est toi? Mais c'est. J'ai juré, c'est toi? C'est lui! C'est Grim! Non, mais il a. La North Face, c'est des TN, c'est toi? Non, frère! Monsieur, on sait pas qui c'est, et si on a plus d'infos... Vous dire justement, avec les pièces à conviction ainsi que les images qui ont suivi, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Oui, c'est. Non, monsieur, mais par contre, si on a la moindre info, on vous dira. Et franchement, force à vous, monsieur Croco. Vous avez de super belles chaussures en croco, non, on dirait? C'est toi qui as fait ça? Ouais, je vous laisse... Écoutez, c'était Inspecteur Croco, je demande aux gens de réagir sur hashtag de l'émission. Oh, il est fort! Il est probable suspect. Alors, ça, c'est mon pote, toi, toi, frère. Eh, dégage, connard. Frère, Grim, viens, on va discuter maintenant. Mais c'est Grim, Grim. Mais gros, wesh. Assieds-toi avec nous, on va discuter un peu. Frère, Grim, on a vu des criminels maintenant. Écoute-moi bien, Grim. On a clairement vu, d'accord, sur la putain de caméra de surveillance, on a clairement vu que c'était toi. T'as mis toi, exprès une North Face. T'as mis exprès des TN alors que tu m'as jamais ça, tu voulais éteindre Inox. Frérot, pourquoi c'est lui, il marchait comme. C'est pas frère. Mais non, c'est pas toi. Mais pourquoi tu voulais éteindre Inox? T'as voulu te faire passer pour Inox, frère? Pourquoi t'as voulu faire ça? Là, il est en prison, après, on lui vole sa chaîne YouTube. Ah, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec toi, frère. Donc c'est toi. Non! Il a voulu t'éteindre. North Face TN. Allez, abuse. Il a fait exprès. Je te jure, il a fait exprès. Écoute, Inox, t'es pas obligé d'en parler à Webedia et tout, tranquille. C'était une petite affaire. De rien du tout. Au final, personne n'a été arrêté. Voilà, on en parle plus. Ça reste entre nous. Et on continue l'interview. Désolé pour ça.
Tu vois, Grim, c'est ça ta faute. C'est ça ta faute. Faut arrêter de faire des trucs comme ça. Inox, frère. Inox, on le disait, tu as très vite mais proposé. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. T'es con, quoi, sur c'est la vidéo. C'est toi, t'es. Ta tête. Mais oui, c'est ça. J'ai vu son cramé en plus sur la vidéo, t'as bien vu. Mais j'ai vu ce cramé sur la vidéo. Mais frère, il avait un chapeau, il avait un chapeau et un masque, on peut pas savoir c'est qui. J'ai vu la vidéo, c'est ta tête. Mais frérot, il avait une orceuse, c'était comme toi. Tu veux tout le temps des TN, c'était toi. Mais pas du tout, en plus, c'est même pas moi sur la caméra. J'avais même pas des caméras. Mais ouais. Ah bah voilà. Ça c'est une phrase de quelqu'un qui a par contre vous me trollez, ça se voit, il y a sa tête sur ouais, c'est vrai, il y a sa tête, Non, j'avoue. C'est une phrase de cambrioleur, il l'a dit. Ouais, non, j'avoue. Il y a sa tête. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est, l'inspecteur fait son travail, c'est normal qu'il fasse son travail. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est faut respecter un par peu les gens. Crime, c'est toi, hein. Arrête. Dites si vous pensez c'est moi ou Inox sur le hashtag Zen Émission. Il est bon. Mais c'est pas moi, regardez, j'ai pas les cheveux. Frérot, c'est toi, ouais. J'avoue, la North Face, on dirait toi, frérot. La North Face, regardez les TN en bas là. C'est toi. Frérot, dirais-toi, frérot, je te jure, dirais-toi. Oui, y a rien à voir, attends. Non, c'est pas moi. Moi, je mets pas ce jogging-là. Ah, putain. Y a rien à voir, c'est pas moi, wesh. Regarde, tout le monde dit Inox, gros. Ouais, frère. Hey, tant que le croco voit pas, c'est bon, on s'en fout. On s'en fout qui c'est. Ça y est. On s'en fout qui c'est. Inox. Hey, si le détective il revient, je le mets, c'est bon pas. Mais non, frère. Ouais, non, pardon. En plus, on est sur Twitch, on peut pas faire ça. Inox, la racaille. Wesh, oh. Je jure que c'est Inox. C'est non. Pas moi, tu vois bien l'image, il y a la tête. Non, tranquille. Il y a Grim sur la photo. Vas-y. Je suis désolé, on le disait très vite. Non, t'as bon, voulu changer de contenu, t'as fait un contenu différent, et puis un jour, il y a une vidéo. Moi, je trouve que c'est peut-être la plus importante de ta vie, mais tu me diras si c'est le cas. Moi, j'aurais plus dit la vidéo découverte du cube Fortnite. Non, frérot, j'allais parler de l'île déserte. 7 jours sur une île déserte, une expérience qui, je pense, t'a marqué à vie, en vrai. Ouais, c'était trop bien. T'as vu, c'est chiant, on doit passer au sérieux. On rigole, après on est sérieux. Après, on rigole, on est sérieux. Non, parce que moi, je suis tout le temps sérieux. Et ouais, voilà, c'est ça, l'hybride. Eh, viens, on fait l'émission ensemble, frérot. Vas-y, c'est bon. Vas-y, on fait l'émission ensemble. Grim, tu peux me prêter ta place de spi. Frérot. On te la rend après. T'es de ma gueule, quoi. Ouais, c'est-à-dire, moi, je viens là maintenant. Ah, ouais, tu viens là. Ouais, du coup, frérot, je te disais tranquille, tu vois. Je disais, t'as fait quand même l'émission Île déserte et tout. Ah, frérot. Ouais, ça me fait. Wesh, cette place. Non, frère. T'aimes pas ? Frère, c'est quoi ? Tu sais, là, on est là, on rigole et tout, mais on rigole. Bah oui, on pose les questions. Ah, on rigole, on pose alors, les questions. Alors, Grim, le buzz. Mm-hmm. T'aimes bien ça ? Je déteste. Il ment là. Vas-y. Rééchanger, s'il vous plaît, il est trop nul en question. Tu fais quoi ? Il revient là, moi ? Ouais, je vais pas t'inviter. Il est trop gaze en question. T'as vu, il a même pas laissé le choix de qu'on puisse rebondir. T'as vu quand tu poses une question, t'attends que le gars il dise un peu ouais, j'explique. Lui il a fait non. Ouais, c'est nul. On a l'impression que tu passais le bac blanc, frère. C'est bon. Non, pardon, moi il y a un truc que je suis pas d'accord. Ouais, en fait, là c'est du harcèlement. Écoute, moi je compte ces choses-là. Donc là t'arrêtes de taper tout le temps sur lui. Voilà. Faut arrêter de taper. Merci. Je veux bien que t'aies le micro, c'est ta chaîne Twitch. Mais par contre, c'est pas bien d'harceler les gens. Ouais, d'accord. C'est quoi t'as raison. Et même à ton chat, à tout le monde, faut pas harceler les gens. L'harcèlement, c'est mal. Donc maintenant, c'est mal. T'arrêtes d'harceler Grim à partir de maintenant. Dis-le. Parce que le... Dis, je suis la chaîne je de Grim. Ouais. Dis-le. Non, dis-le. Mais c'est quoi pour fêter ça? Signaler tous la chaîne. Signaler la chaîne de ma... Ah bah non. Non, sinon ils vont le faire. Non, parce qu'en fait, il y a tellement de monde que si... Mais Zen, parce que né. Ben oui, frère. Non, j'arrête. Mais oui, frère. J'arrête. Tu viens de capter maintenant, frérot. Désolé. Y'a pas de soucis, frérot. Y'a ça. Non, par contre, Z, tu vois. Et là, tu dis rien. Écoute-moi. Moi, je te protège. On a tous des trucs. Et moi, je vais te dire un truc. Son charme, c'est son nez. Ah ouais, je suis d'accord. Oh, c'est relatif. D'accord. C'est relatif. J'en ai fait ma force. Voilà, il en a fait sa force. J'en ai fait ma force de mon gros nez énorme. Oh, tu rigoles. Il est tellement haut, rigolez, le gars. Non, rien. Il est tellement haut, t'as un hors-jeu. J'ai fait une vanne tout à l'heure, vous avez rigolé. Non, pas du tout. Ah, ok, je ferai gros, une c'est ta force. Ouais, c'est ma force de ouf. C'est ça, t'es surpuissant. Ouais, mon nez immense. Mais c'est pas pour autant que faut harceler Grim. Non, c'est lui qui m'a harcelé là. T'as confondu. C'est lui qui vient de harceler. Ouais, c'est pour ça là-bas. Ouais, c'est la fin, ouais, c'est lui. C'est lui qui son gros pif là. Harceler pas. Abuse. Puni. Allez, au coin, 10 minutes. 10 minutes. Je fais l'interview. Là. Inox, du coup, je voulais te parler de l'île déserte. C'est quelque chose. Tu retiens quoi de ce défi? Parce que ça a dû te changer quand même. Bah, je retiens que frérot, c'était incroyable. Et on a beaucoup de chance de vivre dans le monde dans lequel on vit. Et voilà. C'est chiant là. Frérot, ça fait 2 minutes. Ouais, c'est pas fini. Ça t'a fait vraiment changer. Tu penses
à vie, genre non, sur ce que... vrai, ça m'a changé un peu ma mentalité des choses. Ta perception du monde et tout, en vrai. Ouais. Et même la chance qu'on a de. Enfin, je sais pas, rien que d'être là, on s'a. Il y a un mec à chier là. Ah, pardon, je suis endormi tellement c'était chiant ce qu'il a dit. Gros, on avait une interview là, il commençait à dire des trucs super intéressants. Ouais, c'est ça ton problème. En plus, c'est. Je sais pas, mais. Enfin, je sais pas, en fait, j'arrête de parler parce que. Non, frère, tu vois, c'est ça. Eh, hey, laisse-le parler, frère, c'est super intéressant. Laisse-le parler, frère. Non, mais c'est vrai, parce qu'on t'a vu, dans la vidéo. D'une manière qu'on t'avait pas beaucoup vu. T'as un peu craqué. T'as été. Parce que franchement, je pense que c'est un truc. Les gens doivent pas imaginer à quel point. Mais Grimm, il s'en fout de ce que tu. Non, Grimm, il s'en fout pas, frère. Grimm, il s'en fout pas. Il fait le clown. Okay. Grimm, c'est un clown. Okay. C'est un clown. Après, tu sais quoi? Il adore, en vrai. La vérité, c'est qu'il adore. T'aimes bien Grimm? Ouais. Bah, tu vois, il adore. Okay. Il fait le clown. C'est bon, je te crois. Il fait le clown, mais il adore. Vas-y, reprends ce que tu disais. Non, mais je disais que ça m'a fait grave plaisir de faire ça. C'était une bonne expérience. Et même, je me suis rendu compte de la chance qu'on a de pouvoir être là, sur le plateau. Ouais. Rien que ça. À faire des conneries, à vivre tous ensemble. Même la bouffe à volonté. En vrai, on n'a pas de problème pour se nourrir et tout. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi dur ? Non, je pensais pas. Moi, je pensais que j'allais être comme ça sur l'île en mode. J'allais pouvoir faire tout ce que je veux, faire des pièges, manger des poissons, pêcher. Bah mais ouais. En fait, c'est pas du tout ça. C'est plus dur que ça. Pas y retourner, genre, tu reviens pas ? Vas-y, assis-toi. Et la vie de ma mère, tu t'assois et t'arrêtes quoi de parler. Eh, écoute, dans la vie, faut être pacifiste. T'inquiète. Voilà. Tu peux m'insulter, mais je t'aime quand même. Tu vois, t'as une grande maturité. T'as une grande maturité, c'est beau. Faut savoir encaisser dans la vie. Et, ouais. Et un truc, moi, qui m'a choqué, c'est vraiment toute la pollution et tout. Et je crois que t'avais dit à un moment dans la vidéo que tu voulais plus gaspiller de nourriture et tout. Non, je gaspille de moins en moins depuis que je suis allé sur l'île. J'essaye de même pas gaspiller du tout. Et non, mais l'écologie, c'est important. Après, voilà. Moi, je suis pas le meilleur pour parler d'écologie, en vrai. Je suis le premier à surconsommer. Donc, On le fait un peu tous. Mais je pense que si on fait tous des efforts, déjà, toi, tu parles, donc tu consommes. Ouais. Là, tu nous casses. Là, en fait, il y a un respect à avoir. Ouais, c'est ça. Moi, je viens, je suis gentil, je fais le bon. Je viens pour zéro cacahuète, alors que c'est sponsorisé Ben & Jerry's. Je viens pour zéro cacahuète. C'est aussi Fruits qui. Pardon. De fruits dans le chat. Et fruits. Et fruits. Il y en a deux, ah ouais. Ouais, ça y est. Mais là. Hein. Bah, moi, je viens parce que je kiffe. Ouais. Et je suis pas dans le comptage de profit. Ouais. Je me dis pas, normalement, là, c'est 10K. Non. Ouais. Là, je viens parce que je vous aime bien, je veux passer un moment avec les gens, avec vous. Nous aussi, frérot. Et je vous respecte du profond de mon âme, du profond que je suis. Je vous respecte. J'écoute ce que vous avez à me dire. J'écoute les questions. Maintenant, voilà. Frérot, nous aussi, je te jure, frérot, nous aussi. Okay. Et on kiffe ce que tu fais, on kiffe que tu sois là. Et merci d'avoir parlé d'île désert. Merci pour le train de life niveau 5 dans le chat. Ouais, frère, t'abuses, tu vois, c'est ça, t'abuses. Inox. Il y a un truc. Il casse les couilles, c'est bon. Chouchou. Mais on n'est pas là pour ça. Rada. Inox. Tiens, t'aimes trop le ça. Truc, c'est que t'arrêtes jamais. Juste avant l'île désert, t'avais fait le Paris-Roubaix. Ouais. Quand tu vas en vacances, t'en profites pour faire des tu vidéos. T'en fous pas, Grimm. Dis-le maintenant, comme ça on continue bien la question. Non, frère, dis non. J'ai cru. Dis non, s'il te plaît. Non, ça m'intéresse. En vrai, ça t'intéresse. Là, tu fais le clown, mais ça t'intéresse, qui dit. Parce que là, on rigole bien. Mais en vrai, ça t'intéresse. T'es ou pas? En mais fait, non, vous en battez les couilles de l'interview ou pas? Mais non. Mais comme ça, on se disait coup. Moi, dans la vie, j'ai toujours été honnête. J'ai toujours été transparent dans tout ce que je disais. Donc maintenant, si. Calme-toi, Eminem, on n'est pas sur Bouscapé. Super vite, c'est bon. Ça y est, on a tout compris ce qu'il a dit. Bah ouais, par contre, t'as bien articulé. Eh, t'as pas bégayé une seule seconde. C'est une dinguerie d'avoir. Bah, arrête de sucer maintenant. On reprend maintenant. Question suivante. C'est un ouf. Bon, c'est vrai que tu fais beaucoup de projets et tout. Comment t'arrives à suivre la cadence? Est-ce que des fois, t'as pas juste envie de te dire, pendant un mois là, je fais rien, je dors? Bah là, je suis dans la période de. Je dors pas, mais en mode, je me pose des questions. J'ai fait tellement de choses que tu satures un moment, tu vois. Ouais. Et là, je suis en mode dans la période où j'ai juste envie de geeker, jouer. Prendre du temps pour toi, quoi. Prendre du temps pour m'amuser, pour chill. Me restructurer dans ma tête et tout. Mais c'est vrai que j'ai tellement enchaîné là ces derniers temps, même avec le serveur, l'ouverture du serveur Minecraft, tout ça, que c'est vrai, des fois tu te sens dans des moods en mode tu te dis putain. Par exemple, c'est quoi la suite? C'est comment Est-ce que tu prends le temps de jouer genre chez toi tranquille ou est-ce que quand tu joues tu dis ah ben tant qu'à faire si je joue ouais, je vais faire live, faire une vidéo. Ouais, non, bah là dans la période où je joue même sans live. Ah, ça, donc je suis bien, tu vois, c'est ça cool. Ça c'est bien. Je ça. Joue avec mon monteur et tout, donc ça fait plaisir. Même tu crées des liens et tout. Pourquoi tout le monde met zzz? Il y a des abeilles. Ouais, il y a des abeilles, frère. Il y a une abeille qui est passée. Il y a une ruche pas loin. Et tu vois, Inox, on voulait te faire une surprise. Zzz. Ouais, il y a une abeille. Écoutez-moi bien. Vous voulez jouer au con? Comment tu bégayes? Non, mais voilà, vous voulez jouer au con? On parle plus tant qu'il y a des aides.
Continue les Z, on parle plus. Oh, ça devient un live de Rémi là. Mais comment ils ont entendu l'abeille alors que... Mais parce qu'elle est passée super près du micro. Toi tu l'as pas vu mais elle a frotté le micro. Ah ouais. Ouais. Non, ils ont jamais autant écrit de leur vie. Il y en a beaucoup là. Mais c'est une ruche là. C'est des frelons. Ouais frère, il y avait un frelon je pense. Mais il est où? Mais je... T'sais, frérot, elle est passée. T'sais, moi, je suis allergique en plus, donc vraiment, j'ai fait gaffe à ce qu'elle s'en aille. Non, t'inquiète, frérot. Ouais. Hey, pourquoi il se pâme encore? Il y en a plus, là. Parce qu'en fait, t'sais, des fois, quand ils vont en délire, ils le lâchent pas. Du coup, là, ils ont vu l'abeille, ils sont en mode zzzz. Ah ouais, parce qu'en fait, l'abeille, elle a fait trop une dinguerie. Elle a fait une espèce de looping. Ah, vous inquiétez pas, les gars. Ouais. Elle est partie. Elle est partie, vous pouvez dire le chat. Ouais, elle est partie, let's go. Ouais, ouais. Hey, Doc, c'est quoi? On t'a fait une petite surprise parce que je sais que t'es très occupé. Ouais. Je sais que t'as pas beaucoup de temps, ben, parfois pour tout simplement t'occuper de toi, de ton studio par exemple, faire le ménage, etc. Donc j'ai voulu te faire une petite surprise, un petit cadeau. Cœur, pour te ouais. Non, mais t'es fait une petite surprise, frérot. C'est normal. Attends, t'es même passé quoi? Attends. Vous êtes des bons. Oh y'a ça, les sécurité. Franchement, vous êtes des bons, les gars. Merci, frérot. Eh bien, pour te faire plaisir, frérot, regarde ce qu'on t'a fait. Vous m'avez fait un truc? Ouais frérot, ouais. Je suis allé m'occuper de son studio pour le nettoyer et tout, pour qu'il soit bien. T'as fait un cadeau en or. Quand je te jure. Bah, il y a quelques heures là, il y a pas longtemps, on peut l'envoyer en régie pour qu'il puisse voir. Et je voulais vraiment te faire plaisir et c'est la moindre des choses. Vous êtes des bons, même Grim, t'es un bon. Ouais, c'est normal, attends. Inox d'être venu dans l'émission, on lui a réservé une énorme surprise et je pense qu'il va être très content. Il est très pris par le boulot. Malheureusement, je pense que du coup, il n'a pas beaucoup de temps pour nettoyer son lieu de travail tout simplement. Donc on est là pour l'aider, pour lui rendre service. Mon Inox, mon frérot, c'est pour toi que je fais ça. C'est parti. Oh. Bon, je crois qu'il avait déjà commencé à faire le ménage. Regardez, là, c'est du coup le lieu où il vit. Où... Ah, attendez. Wow. Vas-y, on va enlever tout ça, les gars. Bah, j'en ai du papier. Ouais, mais c'est. Ok, les gars, c'est parti, on continue de ranger. Il a des trucs un peu partout. Ouais, je t'ai tout nettoyé. Ouais, mais c'est. Il y a beaucoup de papier, hein, quand même. C'est... Ouais, mais t'as astiqué ça. Hein. Ouais, j'ai astiqué deux. Bon, le plus important, c'est. C'est pas le seul, malheureusement. On va peut-être aller ranger ça. Oui. Ok. Ça, c'est Ace, ça, à ce moment. Ah ouais, il a. Ça, ça doit être Ace, c'est sûr, il a pissé et t'as nettoyé, non? Mais par contre, j'avais vu 2-3 papiers. On va peut-être tout réunir ici. Ah ouais? Et on voit ce qu'on fait. Je crois qu'on a à peu près tout pris. Oh. Oui. Je connais ça, c'est le joystick. En ce moment, il joue Kazuya sur Smash. Et du coup, il a besoin de. Ça, c'est pour Noël, ça, c'est un sapin. C'est un sapin de Noël, ok. Okay. Ok. Bon, les gars, pourquoi c'était dans la déco, ça? Je sais pas, frérot, c'est le studio, non? Ça, c'est Mathieu qui a fait ça. C'est moi? Ouais, t'es arrivé à ce moment-là, frérot. Mais c'est pas mes TN, ça, c'est pas moi. On va laisser faire son stream et tout. Mais c'est pas moi, ça. Fallait couper, les gars, fallait couper ce morceau. Attends, il est en ranked League of Legends. Déjà, ça change. Tu m'as filmé alors que je jouais. J'ai pas touché une texture comme ça. Mais wesh, mais il fait ça au studio? Il s'en va, les gars. Ok, il est parti. Fallait couper avant la régie. Bon, ben voilà, la vidéo rangement. Non, je joue à Minecraft là. Ah ouais? Ouais, sûrement. Jitter click. Inox, mon pote, si tu vois cette petite vidéo, on t'a fait une petite surprise. Je suis sûr que ça te plaira. On a un petit peu pimpé ta déco. Je t'embrasse. Ratio. Mais gros, j'étais sur Minecraft. Je passe mes après-midi sur Minecraft. Mais ah ouais? Mais c'était pas mes TN ça. Si, mais t'étais en train de jouer, je pense que t'étais en train de cliquer ou un truc comme ça, je pense. Je pense Jitter Click. T'es un bon le nouveau LED. T'aimes bien le nouveau LED qu'on t'a mis? Ouais, moi j'aime bien. T'aimes bien, il est beau? Ouais. Ça fait plaisir, c'était pour te faire plaisir. Mais par contre, vous êtes bon parce que moi j'avais pas vu ça. Hein. T'avais pas vu? Non, j'avais pas vu. Vous êtes trop chaud. Ah ouais? Mais par contre, t'as pas trop nettoyé le studio. Parce qu'il y avait plein de PQ, mais je t'ai pas vu astiquer quoi. Mais, en fait. Ah, il était là avant. Les ouais, tu sais, il y avait vraiment beaucoup. Il y avait une. Il y en a vraiment énormément. Non, mais ça, c'est pas moi, ça. Bah, c'est toi. Ah ouais, que toi qui peux y aller, quoi. Dans le studio, quoi. Mais... C'est bon, pas j'espère moi. J'espère que ça te fait plaisir, quand même, frérot. On a voulu te faire plaisir. Et voilà. Inox, on parlait de gros projets tout à l'heure. Évidemment, on va en parler parce que ça fait partie. C'est le lancement de OneCube. Bien sûr. Serveur sur Minecraft. D'ailleurs, j'ai jitter-cliqué sur ça. Hein. Ah, c'est ça que tu faisais. Ah, OneCube. Okay. Comment, mais je viens de comprendre. Le PQ plus. Oh non, c'est dégueulasse. Mais c'est toi. Non, jure-le, tu viens de comprendre là maintenant.
Ah, c'est dégueulasse. Ah, t'avais pas compris. Ah, vous êtes des porcs. C'est toi, c'est ton studio. Oh, c'était non, c'est pas moi. C'est ton studio. Les c'est... gars, moi j'ai pas fait ça. Je vous jure, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai juré, c'était pas Méthen. Ça veut dire que c'était un prank. Vous m'avez menacé. J'ai juré, c'est pas moi. Arrêtez. Les gars, c'est pas frère, moi. Frère, il y avait du PQ partout. Il y avait c'est du PQ. Moi, c'est pas moi. Il y avait du PQ partout. Des... En plus, tu fais genre, moi, ouais, ça doit être Ace. On fait ça, c'est pas moi. T'es rentré, ça fait clac. C'était quoi clac, frère? Mais c'est pas moi, t'as c'était quoi clac-clac? Dis-moi, c'est quoi clac-clac, frère? Dis-moi, c'est quoi clac-clac? On entendait le bruit. Ah, vous êtes bon, hein? Vous avez failli me niquer, hein? Ah ouais. Je vois le coup de. Ouais. On sait pas qui ah c'est. Ah, mais bien eu, les gars! Ah ouais, vous avez bien eu, c'est pas moi, ok, je capte. Quand même. Ah putain, c'était. Ah ouais, en vrai, elle est dard la vidéo. La vie de ma mère, il va te comprendre avant la vidéo. Je pensais qu'il rigolait. Oui, moi aussi, je pensais qu'il rigolait. Il calait les trucs en mode. Ouais, c'est Ace. Ouais, c'est ça. Minecraft. Je me suis dit, putain, il fait exprès. Mais en fait, il est là, vraiment. Par contre, c'est 200 de cuisses que vous avez fait. Non, franchement, c'est pour ça que j'aime bien votre émission. Et par contre, merci à Kono. C'est pour ça que j'aime votre émission. Ah ouais, bah merci. Voilà. Vous êtes bons, les gars. Vous êtes bons. Mais par contre, c'est pas moi. Tu peux plus mentir. Le chat fera son choix. Le chat fera son choix. Et merci. C'est qui, à votre avis? Bah, frère, tu sais très bien ce qu'ils vont dire là. C'est très bien. Il est sur PS4. Non, Play 5. Il a répondu à la question. Il pose une question. Il n'y a pas de délai sur PS4. Ah oui, parce qu'il réagit après. Ah oui, ok. Moi, tranquille. Bon, merci à toute question. Merci à tout le chat. Ah, ouais, c'est pas ça que je voulais dire. Hey, tu sais, moi, je suis habitué à faire quoi? Des hola de chat. Ça marche? Un match de. Attends, je refais. Un match de flammes dans le chat. Let's go. Et là normalement ils vont mettre des flammes. Vas-y regarde. Pourquoi ils cassent les couilles avec l'abeille de merde, gros? Il y a une flamme. J'en ai vu une passer. Oh, le bide de fou. Non, je te jure, le bide. Je vais mettre les flops. Ah ouais, non, c'est... je voulais mettre des. Et en plus il y a des aides, ils cassent les couilles avec l'abeille. Putain. Non mais Grim, tu fais quelque chose là. Putain, j'ai pas le contrôle sur le chat. Non, il y a des flammes. Quoi, mais c'est bon. Vite. Ah, merde, c'est bon, il y a des flammes. Ouais, merci le voilà, chat. Let's go. Bravo. Let's go. Ok, vas-y du coup. Attends, dites-vous. Non, c'est trop une dinguerie. Il joue Maxime sur la tablette. Il a relancé le live pour mettre une pub sur sa propre chaîne. Mais c'est trop une dinguerie flammes, de faire ça. Vous pouvez mettre des flammes. Merci à Kodo Hoki sur Insta si vous voulez voir. C'est ceux qui ont fourni les néons. Ils ont été super chauds parce qu'en fait c'était plus de 3 semaines normalement. Ouais. Et vu qu'on a eu l'idée assez tard, ils nous ont offert un néon. Donc ils ont été super sympas. Merci Kodo Hoki sur Insta pour ceux qui sont intéressés par les néons. Inox, on parlait de OneCube. Combien de temps ça t'a mis? Un an. T'as pris? Un an. Ouais. Un an. Un an pour faire le truc. Après, c'est pas moi. C'est moi qui. Oui, non, j'imagine, mais. C'est moi qui me prends tout le mérite, alors que c'est pas moi qui étais derrière les lignes de code jour et nuit. Ah, t'es un bon, nous mettons en avant. C'est quand même toi qui le fais. On a passé tellement de temps derrière, frère. C'est frérot, t'as rien fait sur le serveur. T'as fait un bedwar. Ben voilà, c'est bien, mais fait deux. Ok, ouais, c'est pas mal. Oh, j'avoue, c'est pas mal. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, un serveur Minecraft, là, le serveur d'Inox, en gros, c'est un serveur communautaire où tu peux te connecter jusqu'à. Pour l'instant, c'est 6000, mais peut-être que tu vas rajouter des slots. Ouais, pour l'instant c'est 6000, mais si les gens kiffent et tout, bah j'ajouterai des slots. Tu pourras rajouter des slots. Ouais. Et donc il y a plein de mini-jeux, plein de trucs. Ouais, c'est super sympa, mais j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. J'espère que vous avez bien aimé le serveur en premier degré. J'espère que vous avez bien aimé. Et en tout cas, je vois les gens, ils kiffent, ils jouent, donc ça fait trop plaisir. Et t'avais pas peur de te dire, vu que c'est pas un truc, tu sais, Minecraft, ça a toujours été à la mode et tout, mais c'est plus au prime où c'était avant. Est-ce que t'as eu peur que les gens prennent pas le truc, que les gens aiment pas? En mode flame, c'est trop tard. Bah ouais, mais après. Tu sais, dans la vie, comme il dit Grim, lui il veut du buzz. Moi en vrai, je voulais juste réaliser un de mes projets qui tenait à ça. Jamais dit ça. C'est vrai, parce qu'en plus. J'ai pas pensé à me dire, est-ce que ça va faire des stats ou quoi? Juste, vas-y, moi j'ai commencé sur Minecraft, sur un serveur Minecraft, j'avais envie de faire kiffer les gens et retourner sur un serveur Minecraft et tout. Et ça t'a permis en plus d'inviter des anciens youtubeurs, toi, que tu admirais et tout, donc ça aussi c'est cool, tu vois. Ouais, de faire non, ça. Non, franchement, ça m'a fait kiffer. Mais les gars, moi je suis gentil, je parle sérieux et tout, et tout le monde dit. Tout le monde troll dans le chat. Mais en fait, on est une émission un peu drôle et tout. Du coup, c'est un chat de farceurs. Mais ils sont trop contents. Ils sont trop contents de dire tout ça. J'ai jeté. Je sais pas, ils font ah ah ah. Ils ont dit ah ah de moi. Ah ah ah, c'est en mode on rigole. Mais pourquoi j'ai rien dit drôle? Parce que t'es drôle en permanence. Non, t'es un super invité. Je suis trop content. T'es un bon. Bah merci, vous êtes un bon. Arrête, t'es un bon. Et j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Ah bon? Enfin, dans le chat en tout cas. Ah ouais, je crois que tu disais que nous on est pas. Non, vous non. Ah ouais, non mais dans le chat, ils se foutent de ma gueule. Non mais eux, c'est des vanneurs, mais ils kiffent. Hein. Non, c'est des vanneurs. Ok, c'est bon. C'est des vanneurs et ils kiffent. Ils sont nombreux et tout. On rigole, Inox. Ah, c'est bon. Tu vois, on rigole, Inox, il a dit. T'as. Bientôt, je pense que t'as dit que t'allais. T'as teasé en tout cas, je sais pas si tu vas le faire, que t'allais lancer un nouveau jeu.
C'est ouais. quoi Fallen Kingdom, tu peux pas dire peut-être. Je peux pas dire, mais c'est un jeu que beaucoup de gens attendent. Bah déjà, jeudi soir, normalement, il y a un nouveau mini-jeu. Donc okay. c'est un mini-jeu, mais okay. pas okay. définitif, ça sera événementiel. Et en janvier, il y aura un nouveau jeu, ouais. Je dis pas. On peut pas dire c'est quoi. Mais un jeu que les gens attendent. Un jeu que les gens attendent. Ok, ok, ok. Fallen Kingdom. Alors les amis, on enchaîne tout de suite, on va passer à l'interview à thème. On va passer à l'interview à thème tout de suite, les amis. Inok, je t'ai préparé un petit truc, regarde ça. Une petite nouveauté. On t'a préparé un petit truc, on a mis les budgets. Hein. D'accord, regarde, ok. On a mis le budget. Regarde, ah ouais, faut vraiment que j'aille. Attends, j'appelle Olivier, c'est bon. Un moment, ça me saoule. Ah ouais, tu vas l'appeler ? Frérot, vous êtes méga. Ouais. Moi, je suis pas là pour jouer. On va sortir pour du parking, gros. Pas, Olivier, voilà, si. C'est Olivier, hein. Je monte pas, il y a le numéro de téléphone. Ah, c'est vrai, il appelle vraiment ? Appelez téléphone. Non, alors, mais il sait qu'on est en live ou pas ? Olivier, hein. Le temps, il veut pas. En gros, pour ceux qui savent pas, Olivier, c'est voilà une personne très très importante de chez Webmedia. Il peut donner plus d'argent. Mais frère, ah, y a pas de réseau en bas, on m'a dit. Y a pas de réseau ? Ouais, faut appeler en FaceTime. Y a une cam qui peut me suivre. Je monte là-haut, dans son bureau. Ben, je pense que ça passe pas. Sinon, FaceTime audio. T'as FaceTime audio ? FaceTime. Attends. Ou WhatsApp. WhatsApp, j'ai appelé WhatsApp. Ah, tu veux vraiment qu'il l'appelle ? Mais frérot, tu vas vraiment l'appeler là ? Bah oui. Vous êtes mes potes, non ? Un pote, ça soutient ses amis. Non, frérot, ça par contre, c'est une dinguerie si tu fais ça. Vous êtes pas encore mes amis. Vous êtes pas mes potes, mais vous êtes des bons ouais, gars. Ouais, on est des bons gars. Voilà. Ça sonne vraiment. J'espère qu'il répond, les gars. Oh, c'est trop une dinguerie, frère. J'espère qu'il répond. Je vais vous faire une passe des du siècle. Je vais dire, tu peux faire x2. Au mieux de 1000, c'est 2000. Oui, dis ça. Oh, la dinguerie. Ouais, s'il répond, c'est la chance de notre vie s'il répond. Oh non, il répond pas. Je suis éteint, il répond pas, frère. Je suis éteint, il a pas répondu. Je lui envoie un message. Ok. Je lui dis réponds vite ou je fais plus d'OP. Oh, let's go. Je vais tout donner, les gars. Il va rappeler, il va t'es rappeler. Bon. T'es trop un bon. Merci, mon gars. En attendant, Inox, on te propose tout de suite. L'interview. À thème. On enchaîne tout de suite avec l'interview à thème, Inox. Jingle. Interview à thème. Voilà. Voilà, regarde la lumière et tout. Inox, on t'a préparé ici 5 feuilles sur ces chats. Attends, il n'y a pas de jiggle. On n'a pas des buts de jiggle pour chaque. Je te dis que c'est la haisse, c'est vraiment ouais, la haisse. Il faut vraiment que j'appelle Oli. Pourquoi vous mettez flop à chaque fois que je parle ? Ouais, non, c'est des ouf. Nous aussi, non. À chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on fait. Ta gueule, dis pas rond. Surtout toi, surtout toi. Ça fait un an. Les gens, ils sont là, ils kiffent. Ils sont là en mode, ouah, trop drôle. Ça fait un an, je crois. Arrête ! C'est l'invité ! T'as pas le droit, toi ! T'as pas le droit ! C'était open. Tiens, mon frérot Inox. Ouais, je lui ai mis une tête. Alors, t'as le droit de les utiliser qu'une seule fois. Une fois que tu l'as utilisé, tu dois me le rendre. Ok. Je vais te poser 5 questions. Il refait ça, je le goûte. Hey ouais. Pas mieux, Max, j'en ai marre ! Je parle à toi ! Oh ! Et t'es chez nous ! Assieds-toi maintenant ! Oh, les gars ! Assieds-toi ! Ça va, mon frérot Inox, t'es content d'être là ? Ouais, merci de m'avoir invité. Ouais, de rien, frère. Ça fait plaisir. Merci, Grim. T'inquiète, mon gars. Ah. Montana ! Quoi ? Tu l'as baisé, frère, tu l'as baisé. Je suis sûr que tu l'as baisé. Non, tu l'as baisé. T'as dit quoi ? Ouais, parle pas avec moi. Devant toi, tu as donc 5 emojis. Un emoji qui pleure, un emoji qui rigole, un emoji regard coquin, okay. Un emoji aubergine, un emoji colère. Je vais te poser 5 questions. Tu peux répondre que un emoji par question. Tu me le rends après, c'est fini. Tu l'utilises un emoji par question, après ouais. Je te le rends. Ouais. Après, tu le rends, t'as plus le droit. Tu fais dans l'ordre mais tu vas me faire un piège. Mais non, frère, y'a pas de piège. D'accord, c'est, okay. C'est l'interview emoji, quoi. Ok. Imagine, quelqu'un te dit salut Inox, désolé, je vais être en retard, j'ai marché dans la merde. Qu'est-ce que tu réponds ? Ça se tient. C'est un rire. Emoji quoi. Voilà, quelqu'un qui sort de la merde, c'est toujours drôle. Ouais, c'est toujours sympa. Toujours cool quoi. Ok, salut Inox, franchement, stop YouTube, c'est vraiment nul tes vidéos, c'est pas bien. Ça c'est quoi ? C'est je donne un légume ? Frérot, c'est. Gros, c'est en mode. C'est en mode plus. Ok, pas ça. Ouais. Ouais. Stop tes vidéos. C'est vraiment un hater, genre Max. Vrai, quoi. Je voulais mettre énervé, mais faut pas être énervé contre les haters. Faut leur dire ah merde. Ouais, ok, pas mal. Ça parce que ça l'emoji il pleure mais il est un peu malicieux, je capte. Je crois pas que ce soit l'emoji à merde. Il existe pas l'emoji à merde. Salut Inox, c'est Grim. Ça te dit qu'on fasse une vidéo ensemble ? Ah ouais, je comprends. Ça c'est non ? Ça c'est un peu énervé quoi. Ok. Sérieux, non, je comprends. Sérieux, j'aurais réagi pareil. Salut Inès, écoute,
C'est pas la peine de m'appeler bébé. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je rigole pas. Oh oui, non, mais c'est... Il est rapide, là. Il est rapide, il a dégainé. Direct, il a entendu bébé, il a dit aubergine. Dernière question, salut Inox, c'est maman. Hey. J'ai beaucoup aimé ta vidéo avec Amine, je le trouve très séduisant. Wesh. Wesh. Tu m'as fait un piège. Non, frérot, je te jure. C'est... Wesh, wesh Amine. Tu m'as fait un piège. Non, à la base, c'était. Wesh, Amine, Amine l'a découvert. Tu m'as fait un piège. Mais non, à la base, tu devais mettre. Je rigole ou quoi. Non, mais tranquille, tu réponds ce que tu veux, frérot. Bah, en vrai, c'est... Eh, il répond ce qu'il veut. C'est toi qui choisis, hein. Vas-y, il m'a fait un piège, moi. Non, c'est pas un piège. Mais reste, non, reste, 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 non, reste, non, c'est reste. Pas un piège. Tiens, je te donne un cadeau. C'est bon, elle a juste dit, elle trouve Amine séduisant, c'est pas. Non. Mais là, je pensais que c'était une vraie échelle, moi. Frérot. Non, vas-y. Non, là, t'abuses. J'ai juré dans le plan, on dirait une vraie. Non, mais. Ah, dans le plan. Frérot, t'es là. Ouais, mais oui, mais côté. Frérot, t'es là. Dans le plan, là, je me suis dit, en fait, elle est où l'échelle? Je veux la prendre. Mais en fait, non. Ah, oui, elle était pas là. Ouais, elle était pas là. Ah, putain. Aïe. Bravo, Inox, tu t'en es bien sorti. Bien, ouais. On verra si tu t'en sors aussi bien avec le flop que chaud. Jingle. Jingle on a un jingle sur trois. Okay. Ouais, c'est ça. Inox. Un jingle sur trois. Eh, hey, tu écoutes le présentateur quand il t'appelle. D'accord. Comment ça va? Bien. Je vais pas développer. C'est payant la réponse là? Non, mais frère, t'es tranquille, pourquoi tu l'agresses? En fait, c'est. Hey, écoute. Pourquoi tu m'agresses? On est pacifiste, on est dans une belle vie. On vit tous bien, on est tous heureux dans ce qu'on fait. Vas-y. On est tous heureux de ce qu'on fait. On est épanoui et toi tu m'agresses. Je suis là, je viens pour toi, pour tes beaux yeux, pour que tout se passe bien. T'es là, tu me poses la même question qu'à tous les invités, tu poses tous les soirs. Ça va, aucune originalité. Et moi je suis là, je te réponds gentiment et tu oses encore m'insulter. Ouais. C'est pas un sigma. Ouais, non, je suis d'accord. Un sigma, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. En vrai, de vrai. Parce qu'on est pacifiste. Pourquoi ils mettent de l'abeille de merde? Non, elle est passée. Mais cette abeille du plateau. C'est bon. On va appeler un mec, il va s'en occuper. C'est trop chiant. Pose la deuxième question. Spam l'abeille là, chaque fois que je parle. Elle fait trop de bruit, c'est pour ça. Désolé les gars, je parle plus. Non. Non mais c'est une interview. Les gars, mettez. Arrête. Frérot. Parce que là, tu vois. C'est bon, je parle. Oh, let's go! Oméga Lul! Comme il l'a dit, Flop Cucho. La gueule, c'est une abeille, pas une libellule! Coupons la parole au cœur! Pose la question. Allez. Flop Cucho, on pose les mêmes questions à chaque invité. C'est quoi ton plus gros flop? Je le démarre ou quoi? Pourquoi tu lui réponds? Non, pas. Frère, sois gentil avec lui quand même. Moi je veux pas répondre à cette question. Ok, passe à la suivante. Voilà. C'est une putain de star. Tu respectes. Non, je suis pas une star. Tu respectes ce qu'il dit. Bon. Non, je suis pas une star. T'es pas une star. Mais je veux pas répondre. Ok, t'as le droit. T'as le droit. Sois invité. Sois suivant. Okay. Un truc que tu voudrais changer dans ta carrière. Ton pseudo. Non, j'aime bien. Non, j'aime bien moi aussi. Okay. Peut-être un truc, t'as peut-être rien quoi. Peut-être je gratterais 2 cm sur mon pénis. À la limite. C'est peut-être le seul. Non, en mode où je joue Sims 3, frère, ça marche pas comme ça, gros. Et tu peux dire un choix de concept, un feat. Une anecdote honteuse. Ah. Anecdote honteuse que je dois dire? Ouais, si t'en as une. Vas-y, en vrai, j'en ai une. Oh, let's go, vas-y, raconte. J'en ai une. J'étais chez des invités de mes parents. Ouais. Et en mode, j'avais mangé et tout, tu vois. Et j'étais allé aux toilettes. Et je chie beaucoup. Ok. Mais pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai dit caca? Oui. C'est marrant. Bref, je vais aux toilettes, je chie en gros. En gros tard, quoi. En tout. Ok. Vas-y, mais t'as 30 ans, frère. Caca. C'est marrant. J'allume la chasse, bouché, tout le caca il remonte. Ah, ça bloque, et ça bloque en haut. Non, ça déborde et il y a du caca partout dans les toilettes. Et je suis sorti des toilettes et bah, j'ai dû annoncer que les toilettes ils étaient pleins de caca, quoi. T'as dit. J'ai dit, tout était débouché, elle a ouvert, il y a des chutes. Voilà, j'ai bouché. Attends, parce que. Et l'eau était noire, quoi. Wesh.
Mais j'étais petit. Mais t'as lâché une bombe, frère. Bah oui. Comment c'est possible de. Tu dis ça sur Twitch, là? Non, lâche une bombe de caca. C'est trop une dinguerie de faire ça, par contre. T'imagines ta vie, t'as gâché, toi? Il te pousse les chiottes, il met de la merde partout. Mais il a pas choisi? Non, j'ai pas fait exprès. Ouais, mais fais un effort. Alors toi, tu l'as fait, t'as choisi. Non, j'ai rien fait, moi. On passe tout de suite à l'interview image. On n'a pas de jingle. C'est quoi interview image? Ah, ben bah, je vais te raconter, mon gars. Ok, c'est un autre jingle? Non, il n'y a pas de jingle. On n'a pas de jingle, tu peux le faire. Vas-y. 1, 2, 3. Interview image. Ce soir, c'est parti. C'est l'interview image. Oh, plein d'images derrière. Parce qu'on n'a pas pu aborder tout ce qu'on voulait aborder. Je croyais que t'allais montrer ton cul, frérot. Non? C'est vous? T'as tourné, t'as fait ça, je me suis dit, ouais, il va montrer son cul. Olivier? Allô, Olivier? Ouais, excuse-moi, j'étais un coup, les cœurs. Ça va bien? Ouais, ouais, j'étais avec les US. Je suis en live, là. Il y a des gens, ils t'entendent. Ok? N'importe quoi. Si, je te jure, je te jure. Il y a des gens, ils t'entendent. Il y a un problème. J'arrête toutes les OP à partir de maintenant si l'émission Zen, elle n'est pas doublée de cachet. Ça veut dire là, ils ont 1000 euros de budget par émission, il faut qu'ils aient 2000 maintenant. C'est bon? Oh, c'est le rire de Crocodile dans One Piece. C'est vraiment en live, tu déconnes. Non, je déconne pas. Il y a 35 000 viewers. Ils ont du buzz. Qu'est-ce que tu veux alors, vas-y, raconte. Je veux que tu leur doubles leur cachet émission pour qu'ils puissent faire des trucs encore plus bien. Et avec 1000 euros en plus, je suis sûr qu'ils vont faire des dingueries. Déjà qu'ils font des dingueries là. Et tu sais que ce qui est génial, c'est que Zen, c'est pas sur mon PNL, c'est pas sur mon budget. Donc je pourrais dire oui, mais c'est pas sur mon budget. Donc demain, je m'en occupe et je vais voir la BU dont ils dépendent. T'es le meilleur, Olivier! Let's go! Yes! Merci, Olivier. Allez, je te check demain. Tchuss. Ciao. T'es un putain de boss. On est riche! On est riche! Quoi? On t'a pris dans les couilles. On est riche! Il m'a tapé dans les couilles! On est riche! Tu m'as et la nouvelle, c'était que c'est moi maintenant qui prends tous les pourcentages de l'émission. Quoi? Quoi? Oui, je prends 50%! J'ai ramené le double! Et les gars, business is business! Ils ont cru quoi, eux? Et ils sont cons! Bien sûr! C'est de l'investissement rentable! Ben, c'est bien, non? Mais frérot, on gagne quoi, du coup? On change rien, nous! Bah, je te les enlève alors, si tu veux. Mais ça change quoi, vu que tu les prends, toi? Bah non, je prends 50%. Ah ouais, non, j'avoue, 50% du plus. Ah ouais, non, j'avoue, ok, ça va, c'est faire. Non, vas-y, tranquille. Ah, tranquille. Qu'on gagne 25. Hey, frérot, c'est un bon procédé, hein, sinon. Ah ouais, non, tranquille, t'as raison. Non, tranquille, t'as raison. Mais, je savais qu'il fallait que j'investisse sur vous. Frérot, t'es un malade, tu l'as appelé en live. Moi, non, je tiens un maximum de cœur, parce que franchement, c'est historique, dans Zen, non, mais par on contre, double le budget. Hein. Il va vraiment doubler. Mais je sais, mais le pire, c'est pas ça. C'est que tu t'es... Moi, je pensais vraiment que t'avais préparé une blague et que t'allais appeler, genre... Quelqu'un non, non, c'était le vrai. C'était le vrai. Je connais pas. Attends, genre, dans One Piece, c'est qui, genre? C'est Crocodile. Ouais. Non, mais c'est pas. Il y a différents boss. Ouais. Mais ouais. Lui, c'est celui qui gère le pôle influence de talent web, quoi. Ok. Oh la vache. Oh le ouf. Il va parler à votre chef demain, quoi. Oh putain. C'est une agression. Et bientôt, je serai le deuxième chef. Ouais, tu seras le. Putain, on va te voir. Eh oui, je serai investisseur, les amis. Ah ouais, putain. On va devoir mettre le logo OneCube, frère. Et je vais peut-être rajouter 1000 de ma poche. Oh, let's go. Ça, c'est bien, ça. Du coup, je prends 75%. Oh, putain. Non, mais... Bah, c'est pas mal, vous avez... Non, c'est bien, c'est toujours bien, Vas-y, j'apprends. Inox, on n'a pas eu le temps d'aborder tout ce qu'on voulait aborder avec toi dans l'interview. C'est pas grave, mais tant que je suis là, moi, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait trop plaisir. Le chat est là, vous êtes là, c'est parfait. Et en plus, à partir de maintenant, on va commencer à faire des jeux et tout, mais avant ça, je voulais que tu regardes ces images. Derrière chaque image, c'est pas tactile, frérot. Wesh. C'est le seul écran qu'on a. Désolé. En plus, je crois que tu peux te faire électrocuter, je crois. Désolé. Derrière chaque image, il y a une question. Après, il y a une question sur chaque image. Ouais, il y a le cadeau, il y a Michou. Je dois les classer? Non. Okay. Tu choisis deux images, le chat en choisit deux. Et derrière ces images, il y a une question que je te poserai. Ok. Il y a le cadeau, il y a Michou. Cadeau, c'est mystère. Ça, c'est... Les gars, vous pouvez choisir cadeau? Ça, c'est la question d'un viewer, c'est mystère. Mais toi, tu peux en choisir deux aussi. Oui. Okay. Deux, je dois choisir deux images. Ouais, parmi celles-ci. Alors, en vrai, il y a des questions. Celle-là, on m'a trop posé la question. Ouais, t'es pas obligé d'y répondre. Celle-là, c'était la musique. Ça, c'est Michou, c'est mon gars. Ça, c'est un cadeau. Et ça, c'est la question le du chat, joueur. Je prends quoi, moi? Je prends quoi, le chat? Le chat va choisir ses propres questions. En gros, toi, t'en prends deux. Et ça, c'est deux. Quoi? C'est la question d'un viewer mystère. Ok.
question mystère d'un viewer. Ouais. Si je choisis ça, il y a un viewer qui t'a posé une question. Bah, comme ils sont beaucoup sur le live et qui sont là pour nous, bah, et qui, pour leur remercier, il y en aura un qui me poserait. Ok, vas-y. Donc, choisis un viewer. Ok, question à un viewer, on l'envoie tout de suite. Et là, j'en ai un deuxième. Attends, là, je là, peux, là, y a... ça, si je prends ça, j'ai un cadeau. Ouais. Ouais. Mais même moi, ça, je sais pas c'est quoi. Vous faites des conseils ou pas? Vous avez des conseils à me donner? En vrai, cadeau, même moi, je sais pas c'est quoi. On m'a dit, t'inquiète. Ah, mais cadeau, ça sonne le cadeau. Conseillez-moi, je prends quoi? Déjà, attends, on peut répondre à la question. On peut regarder la question. Attends, là, le viewer, il va se lancer, là. Il est où? Nien. Salut, Inox. Je suis un chikoku comme Ace. C'est marrant, ça, non? Plus, j'ai vu que tu lui payais genre 300 euros par mois de bouffe. C'est beaucoup. C'est mieux payé que certains co-présentateurs sur Twitch. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux m'adopter? Je suis marrant, je me lave presque tous les jours. Et vas-y, comme ça, je serais mieux payé qu'à certains d'autres endroits. Force à toi, Inès. One cube. C'est toi? C'est un chien, il l'a dit. On dirait toi, je te jure, le chien, on dirait toi. Oui, t'es trop mignon, le chien. En vrai, moi, je l'aurais adopté à ta place. Hein. Mais c'est pas un viewer, là. Tu les as arnaqués, là. Passe. Je raconte, gros, c'est la question viewer. La question viewer, c'est forcément un viewer, normalement. Et là, je dois répondre? Ouais. Tu veux l'adopter ou pas? La question du chat! Qu'est-ce que vous choisissez dans le chat? Alors, vas-y, la question du chat. Le chat, c'est quoi? Trop mignon. Hop. C'est pas une question, trop le mignon. Le chat a choisi cadeau en majorité. Et en deuxième, ils ont choisi Twitch. Ah, donc ça veut dire que je dois choisir cadeau, là. Non, non, cadeau, ils l'ont choisi. C'est bon. Et là, moi, je dois choisir un autre. Tu choisis un autre. Ils ont choisi cadeau et Twitch. Putain, j'ai... Il te reste ces trois-là. Tu peux choisir entre ces trois-là. Entre les trois-là? Ouais. Chou, musique, pause. Michou, musique, pause. Ah, j'hésite entre Michou et musique. Toi, tu me conseilles quoi? Moi, je te conseille... Un petit Mich. Ah, musique. Moi, je suis plus musique, toi, t'es plus Mich. Ouais. Faites un pierre-feuille-ciseau, celui qui gagne, je prends. Pierre-feuille-ciseau. Non okay. Musique. Le chat, ils veulent Michou. Musique, je on sait. Michou, alors. Bah non, le chat, il a choisi cadeau et Twitch. C'est comme fini. Ah, okay, t'as plus choisi. Ça, ouais. Bon, bah alors t'as gagné Perfect Ciseaux, c'est musique. Musique. T'es un créateur de banger, Milly, Funky Nox et tout. On a entendu. Est-ce que t'as d'autres sons prévus? Est-ce que t'aimerais faire un vrai album aussi? Moi, là, ce soir, je finis ma séance de studio. Bah, je sais, on a vu ça sur en story. Ouais. Donc, tu prépares un nouveau son. Je te ferai écouter ce soir. Je suis chaud. Et tu tweeteras, tu me diras si t'aimes bien. Ok, vas-y. Vas-y, je tweet. Je tweet mon avis sincère sur le son. On finit l'émission. Tu viens au studio, ouais. T'écoutes. Et je tweet mon avis sincère. Le vrai avis, ça veut dire okay. La prochaine là là. Musique d'Inox est claquée ou elle est bien. Ok, vas-y, je dis mon avis sincère. Voilà. Vas-y. Pourquoi ils mettent. Putain! Il faut exprès. Fais-moi cette guerre! Il faut exprès parce qu'ils voient que ça te fait réagir. Si tu fais genre, tu t'en fous. C'est ça. C'est fini. C'est des bébés. Parle c'est comme. Parle mieux. Écoute. Hey, J'essaie de te défendre. Pourquoi vous deux? Pourquoi c'est lui? C'est lui. Ouais, il m'a tenu comme Ace. Vous allez mieux parler, les gars. Ace, quand il pisse, il tient comme ça. Hein? Quand il pisse, Ace, tu le tiens comme ça aussi. Comment ça, quand il pisse? Non, ils pissent pas, mais... Parlez mieux aux viewers. Ils sont là, ils sont gentils. Ouais, mais ils disent ZZZ. C'est lui, il parle mal. C'est qui le bonhomme qui est à moitié avachi? Non, non, il est mort de rire, lui. Ah, c'est un bonhomme mort de rire, ça? Il est mort de rire, ouais. Il est en mode... Okay. Mais moi, j'ai envie de me mettre là, avec vous. Vas-y, reste là, frère. Okay. Il y avait une question sur Twitch. Tu live principalement sur YouTube. Est-ce que t'as envie de développer un plus le côté Twitch quand tu vois, tu sais, les gros events style GP Explorer, Evil All Star et tout? Est-ce que t'as envie d'aller sur Twitch? En vrai, si je fais un gros événement un jour, ouais, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et tu vois, je comprends pas pourquoi on a cette réflexion à chaque fois qu'il y a un gros événement, on se dit, si y a un gros événement, je le fais sur Twitch. Alors qu'en vrai, tu pourrais le faire sur YouTube. Parce que Twitch, sur YouTube, mais... c'est la plateforme la plus optique pour le streaming. Ouais, c'est vrai que c'est mieux pour le live. Les gros événements, si tu fais un truc avec des millions d'euros, vaut mieux faire sur Twitch. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant, je me focus sur les projets YouTube et un jour, c'est sûr que j'ai envie de marquer les gens. Ouais, et faire un gros event. Voilà, mais déjà, participer aux events des gens, ça fait tu dis plaisir. Marquer les gens, et c'est vrai, en vrai, toi, tu fais beaucoup de trucs avec Michou, mais pas de gros projets. Est-ce qu'un jour, vous vous dites, un jour, on va faire un truc tous les deux, et genre, on casse? Bah oui, ça serait lourd, mais maintenant, faire un gros projet, ça demande de l'argent et tout. Et je voulais faire des gros projets, et il y en a, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien? Ouais. T'as pas encore. Ouais. Surtout quand tu dois claquer des 1 million d'euros. Ouais, c'est cher, hein? Ouais. C'est cher. Ah, galère, ça. Ça arrive aussi. C'est cher. Inox, et là, 2000, hein. 2000, t'as maintenant. 2000. Inox, c'est une des premières fois dans l'histoire de l'émission que je ne suis pas au courant de toute l'émission. Parce qu'en deuxième partie, vous l'avez vu les amis, évidemment, One Piece, il y a des choses, moi je ne suis pas au courant. Il va falloir résoudre des énigmes, etc. Pourquoi One Piece? Je ne suis pas au courant. Parce que t'aimes bien One Piece, on va te faire kiffer. Oh, ouais. Vous êtes des boss. Mais pourquoi ils l'ont vu?
Ils l'ont pas déjà vu, ça, c'est pas possible. Non, mais non, ils l'ont pas vu, c'est en live. Ils l'ont pas déjà vu, mais ils ont vu des photos. Ils ont vu les photos qu'on a postées. Mais avant ça, Inox, le chat a choisi cadeau. Oh, et c'est le deuxième truc dont je ne sais pas de quoi il s'agit dans l'émission. Même moi. Oui. Donc, les... Quoi ? Ils vont te dire ? Eh, ça non, la chose. Non, vous êtes sérieux ? Attends, écoute. Non, arrête. Tu mens. Mais non, mais les gars, on peut pas faire ça. Mais comment je fais ? Mais comment je fais après ? Il y a personne qui parle. Attends. Si, l'oreillette à droite. Attends, non, je veux pas faire ça. Ils disent que le cadeau, c'est ma voiture. Oh, yes ! Ah ouais, il a une oreillette. Ils disent que le cadeau, c'est ma voiture, frère. Il faut aller dans le parking. Mais je veux pas donner ma voiture. Ah, frérot, c'est le cadeau, hein ? Quoi ? Cadeau, c'est cadeau. Reprendre, c'est pas cadeau. Mais frérot, tu vas voir sa bagnole. Mais je vais rentrer à pied. Attends, c'est tu m'offres ta voiture ? Il t'offre sa voiture. Il dit, allez dans le parking, c'est vraiment ta voiture, le cadeau. Non, mais frère, je peux pas donner ma voiture, frère. Ah, là, c'est le parking. Si tu vas le faire, regarde. Mais je comprends pas. Ah merde, j'ai fait tomber ça. Mais je comprends pas le truc, attends. Mais quoi ? Attends, faut aller dans le parking. Mais attends, mais je comprends pas. Mais elle est pas là, la voiture. Ah, les bâtards, qu'est-ce que vous avez préparé ? Non, qu'est-ce qu'ils ont préparé ? Ils sont tous là à filmer, frère. Oh, il y a un chemin de baiser. Ils ont fait une petite surprise. Oh, c'est un escape game. Non, s'il vous plaît. Oh, il y a des pneus. Non, mais les gars. Sa mère, changez ça. Non. Changez ça. Je peux pas oh donner là. Ça. Non, tu trolles. Non, les gars, je peux pas donner ça. J'y tiens trop. Ah, c'est chiant, hein. Les gars, j'y tiens trop. Attends, tu vas me la donner. C'est que c'est son bijou, hein. Non, c'est bon, c'est mon préféré. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Ne me la donne pas. J'ai frérot, juré, les tiens. Gars, faut pas qu'il me l'offre. Non, hey, c'est le jeu. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Je suis dégoûté, tiens. Ah, oh, merci, t'es un bon. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Ça me fait trop chier de te le donner. C'est ma voiture que quoi ? C'est ma voiture que j'ai depuis tout petit, quoi. Bah merci, mon ref. Tu sais, c'est le geste, hein. Si merde, t'es le boss. Ouais, de rien, frérot. Putain, par contre, ta voiture, elle est incroyable. Ça me fait trop chier de donner. Ben non, c'est ça ma voiture. Attends, mais tu me l'offres vraiment ? Non, c'est ça ma voiture. Moi, ça, je connais pas. Je sais pas qui c'est. C'est trop. C'est ça le cadeau. Moi, je connais pas ça. Ah, c'est pas à toi, ça. Ah non. Mais force à toi, en tout cas, pour... Mais attends, tu l'as fait clignoter. Attends, ouais. Tu peux l'ouvrir ? Ouais. Bah non. Mais il est en train de la voler, là ! Wesh, frère, la vole. Oh pas, frère. Wesh, frère, la vole pas, c'est ma voiture. C'est ta voiture ? Mais oui, c'est ma voiture. Mais attends, il vole la voiture, là. Non, mais la vole, vraiment. Oh, c'est une Turbo S. Ouais, c'est une Turbo S. Non, elle est incroyable. Tranquille, frérot, tranquille. Jure, t'as ça, Max ? Ouais, j'ai ça. Ça vit bien, Zen. Attends, mais... Non, mais attends, il part là, mais caché ? Ça, je suis trop content pour Watt. Oh frère, t'es un frère. Non, je te jure, t'es un frère. T'es un bon, c'est pas la mienne, mais t'es un bon. C'est pas la tienne. Non, c'est pas la mienne. Mais par contre, Max, je suis content pour Watt. Eh frérot, t'es vraiment un boss, par contre. T'es une voiture de bise, vraiment un boss. Gros. Mais tu te mets. Jure, t'as ça. Mais c'est là qu'ils partent, mais cachés ? Bah ouais. Les amis, on se quitte avec une courte page de pub et on revient vers vous. Incroyable. Et merci juste pour la mini voiture. Et gros, félicitations. De rien, mon frérot. Ça fait trop plaisir. Enfin, que tu t'es racheté. Merci, mon frérot. On passe tout de suite à la page de pub. Et nous, les gars, par contre, on va devoir vite courir. On doit aller de l'autre côté pour le jeu qui arrive. Oh non, pas le jeu. On envoie. C'est parti. Go ! Let's go ! Bon, bah, bonjour, docteur. Bonjour, Maxime. Ah, si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai fait une pub récemment pour Ben & Jerry's. Ben & Jerry's ? The crème de la crème, glacée. Ça s'est très bien passé, mais sur le tournage, il y avait une vache. Et elle me lâche plus. Elle me hante. Partout où je vais, je la vois. À l'arrêt de bus, il y a la vache. Quand je suis aux toilettes, il y a la vache. Dès que je me retourne quelque part, il y a la vache. C'est très dur à vivre, je vais pas vous mentir. Ah mais d'accord, mais c'est problématique ça, une vache. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est, Ben & Jerry's ? Bah, écoutez, je vais vous montrer. D'accord. Hop. Merci. Eh bien, bonjour docteur. Si je viens vous voir, c'est parce que j'ai goûté une Ben & Jerry's et depuis... Merci beaucoup à Ben & Jerry's d'avoir permis de faire cette fausse pub. Évidemment, n'hésitez pas à faire point d'exclamation concours, vous avez plein de choses à gagner. Vous avez toutes les infos avec point d'exclamation concours, plein de choses à gagner, des consoles, un an de crème glacée offerte. Merci à eux de nous aider à faire tout ça. C'est aussi grâce à eux qu'on peut faire ça. Aujourd'hui, les amis, on va passer sur un truc que je veux faire depuis longtemps. Inox, viens là, mon frérot. Il faut que je vous explique, il va falloir aller très très vite. Attends, je la laisse là. Wesh. Ouais, t'étais super sérieux. Mais là, j'étais trop content. Attends de voir ce qui t'attend, on va voir ce qui t'attend. Okay. Les amis, on va passer à un jeu. Je vais l'appeler l'ASMR. L'ASMR ? Ouais. Là, t'étais super content. Mais c'est l'ASMR normalement. Ouais, mais c'est pour ça, c'est un peu bizarre. C'est un jeu de mots nuls. Là, on va devoir mettre ses costumes, c'est pour ça que ça va mettre 10 secondes. Attendez, je vais vous les donner, vous savez quoi, vous allez les mettre. Hop, attendez, oui. Bougez pas. Hop, vous allez mettre ça.
Vous allez me faire confiance, vous me faites confiance ou pas? Ouais. Okay, mais ça, fais très attention parce qu'il y a du scotch et tout, faut pas l'abîmer, ok? Tiens, vous enlèves ma veste ou pas? Faut pas l'abîmer, vous pouvez les mettre par-dessus les vêtements. J'enlève mes chaussures? Attends, hop, hop. J'enlève mes chaussures? Ouais. Ouh, wesh. Il m'a piégé, il a mis la voiture par terre. Non, c'était pas piégé, c'était pas fait exprès. T'es sérieux, Maxime? J'ai pas fait exprès, hop, mets ça. Et moi, je vais mettre l'autre. Et je vais vous expliquer en même temps en quoi consiste le jeu. Ça va être une dinguerie. Je vous explique, les amis, l'ASMR c'est quoi, Inox? Je dois t'avouer un truc. L'ASMR c'est quand tu parles pas beaucoup dans le micro. Ouais, c'est pour ça. Tu chuchotes. Va pas falloir faire de bruit. Frérot, le costume il craque à chaque seconde Ouais, faut faire attention. Les amis, j'ai pris des affaires qui vous étaient précieuses. Quoi? Vous le savez, moi, c'est quoi que j'ai de plus précieux au monde, Grim, tu le sais? Ton pull coupé, ce qui te fait. C'est mon pull de couple. Inox, je vais pas te mentir, je suis allé dans ton studio. Ouais. Et t'as vu, t'avais des TN sur. T'as des TN sous verre. Oh non! J'en ai pris une! Non! T'es une merde! Frérot, je te jure, je l'ai pris, je suis désolé. C'est pas gentil ça! Frérot, je te jure, je l'ai prise. Ok, c'est pas grave, c'est pour le jeu. Et vous savez où je les ai mis ces objets? Où ça? Au-dessus d'un bac rempli de merde. Mais quoi? Hein? Frérot, elles sont au-dessus d'un bac rempli de merde, c'est pour ça que ça s'appelle ASMR. Attends, moi tu m'as pris quoi? Mais attends, t'es un bâtard! Grim, tu te rappelles quand tu me parlais de ta caméra que t'adorais depuis tout petit? Ouais. Dans laquelle t'avais. Elle est suspendue au-dessus de la bac à merde. Mais c'est vrai que ça sent un peu le caca. Les gars, Maxime, ça. Les gars, je rigole pas, j'ai fait ça. Je vous explique ce qui va se passer. Si vous faites du bruit, à chaque fois qu'on va faire du bruit. Wesh. Tu vois là par exemple, t'as fait du bruit, ça passe. Mais tu l'as mis à l'envers. Mais c'est de l'autre côté, frère. Regarde, Inox, il a mis du bon sens, tu l'as mis de. C'est pas grave, ça sera marrant. C'est pas grave, ça sera marrant, mais bonne chance pour le mettre. Les amis, à chaque fois qu'on va faire du bruit dans cette pièce. Le bac à merde va faire tomber nos objets un peu plus. Si on fait trop de bruit, mais comment t'as eu cette nos idée? Nos affaires se retrouvent dans la merde. Mais en fait, on s'est dit, ASMR, c'est marrant quand même comme nom. Du coup, on va faire ça quoi. Mais c'est bien, pourquoi j'arrive pas à mettre mes doigts dedans? Mais bah ouais, frère, tu l'as mis à l'envers. Les tenues sont pas pratiques, hein. Non, c'est chiant à mettre. Mais en fait, ça va être incroyable parce que du coup, on est dans le noir. Ah oui, je vous ai pas dit ça, on est dans le noir complet. C'est pour ça que ça va être bien parce qu'en fait, dans le noir, on va avoir l'impression d'être des sticks humains. On a une capuche à mettre ou pas? On va être des stickman. Mais oui, on va être des stickman, vu qu'on va être dans le noir. Oui, il y a une capuche à mettre. Du coup, à partir de maintenant, vous allez plus rien voir, donc mettez la capuche à la fin. Et en fait, il y a plein de trucs qui font du bruit. J'arrive pas à la mettre. Ah ben, bonne chance, la mets pas. Hop. Mais pour. Non, je vais pas te mettre moi. Moi, il s'était collé. Frère, c'est trop dur à mettre. Mais moi, j'ai une bite. J'ai une bite. Ah oui, c'est enlevé le micro. Merde, fallait enlever le micro. J'ai une bite. Merde. Comment on va faire? On a gardé le micro. Tiens, je te le donne. Tiens, je te le donne. Est-ce que t'arrives à l'enlever? Ouais, parce que ça va vous gêner. Eh, moi, il marche plus les bâtons. Non, mais si tu vas voir dans le noir, il marche. C'est dans le noir qui marche. Dans le noir, il est tombé, regarde. Ah ouais, il est tombé. Attends, je te le remets. Wesh. Oh, c'est bizarre ce qu'on fait là, non? Ah, comment, Maxime? Wesh. Ah, Maxime, tu peux me le remettre? Ouais, je te le remets là. Mais vous êtes vachement proche là. Ah, Maxime, remets-le-moi. Ah oui. Eh, le. Faut que je l'enlève? Ouais. Là, c'est bon? Tiens, la tif est prête. J'arrive. Oh. Je remets les chaussures. Ah, faut mettre les chaussures. Vous savez qu'il y a un seul moyen de réussir l'épreuve. Sinon, ça tombe dans la merde. Faut trouver une clé. Si on trouve la clé qui permet d'ouvrir le cadenas. Ouais. C'est ça le problème. C'est qu'on voit rien, frère. Et les abonnés, comment ils voient? Eux, ils voient avec la vision infrarouge. Dans ma poche. Il est dans ma poche. Il est là, regarde. Mais moi c'est sûr, je vais pas être masqué moi. Bah tu vas pouvoir nous aider si tu vois un peu plus que nous. Ok. Sinon ça marche pas, tu vois. Frère, tu es comment là? T'es bien. Vous kiffez? Bon, ouais. Attends, tu veux que j'attache dans le dos? Ouais, non, vas-y, c'est bon. C'est bien là, non? Ok, parfait, j'attache. Comme ça, plus jamais. Ok, vous êtes prêts, on rentre à partir de maintenant, on va rentrer là-dedans, on verra plus rien. Mets la capuche Inox. Et là c'est parti. Si on fait du bruit, oubliez pas, nos affaires tombent un peu plus dans la merde. Là, faut rentrer? Là, faut rentrer, frérot. Il faut trouver la clé. Vous êtes prêts? Eh, on voit un peu. Mais t'es dans la lumière. Attends, d'être dans le noir, tu verras. Ah ouais. Okay, oh. Venez. Attends, c'est où, là? C'est là. Ah ouais, je vois un peu, là. Ok. Ouais. On laisse rentrer Steph, le cadreur, et on ferme. Vas-y, Steph, viens avec nous. Eh, hey, Steph, il a trop la classe avec ses lunettes infrarouges. Eh, hey, Steph. Quoi? Eh, là, faut parler. Faut pas parler. Ouais, j'attends, mais il a... Ouais. Wesh! Y'avait. Ouah! Regarde! Ça rend bien ou pas? Oh, on est Stickman! Attends. Ah, c'est Stickman! On est Stickman! Attends, je suis Stickman, mon parc, je suis dans le mauvais sens! Bah ouais, mais du coup, t'as le rond! Attends, faut que je te mette droit! Ah non! Ta tête, frérot, j'ai dégoûté Inox, c'est pourquoi? Pourquoi? Je t'avais fait un schlong énorme, mais il est tombé quand t'as mis le costume! Oh non! Il a perdu sa bite! Quoi? Attends! Attends, je vais mettre. Il y a un truc à craquer là! Je vais mettre des cheveux. On voit là? Attends! Oh, je vois rien! Ah! Enculé! Oh, il m'a baisé!
C'est de gris, tu veux rien voir. Oh. Hé eh, les gars, on voit rien. Ta télé va tomber dans la merde, faut plus parler fort. Oubliez pas, il y a du bruit, faut pas faire des alertes. Les gars, faut qu'il y ait cette putain de clé. Faut pas avancer, faut qu'il y ait cette putain de clé. Hé, je te vois, Stickman. Mais enfin, moi aussi, je te vois, Stickman. Tu me vois, Stickman, je marche là. Mais c'est quoi ce que t'as là? Je vois rien. C'est quoi là? Ça, c'est un stick, frère. Les gars, il y a une boîte. Putain, elle est où cette clé? Mais les gars, oh, merde. Mais frère, il fait trop noir. Frère, tu sais que nous, on n'a pas, on le sait pas. Mais à chaque fois, peut-être c'est le truc qui descend. C'est-à-dire là, peut-être que nos affaires sont déjà dans la merde si on continue. Mais non. C'est toi, je touche Grim. C'est pareil, il y a un truc qui est horrible. Ah, mais. Qu'est-ce que je touche là? Frérot, c'est bon, mais. Inox, ouais. Oh merde. Oh, t'es en train de dormir? Pourquoi il est en train de dormir, c'est toi là? Il dort? Ah oui, il dort. Où ça? Là! Là, bougie. Bois-le. Oh. Ah, il me suis fait mal avec le cape là! Oh non, non, mon bébé! N'en pleure pas! Prise-moi! Oui! Tu peux exprès là! Y'a une tour, faut pas la faire tomber ici! Ah. Oh! Les gars, y'a quelqu'un qui m'a parlé à la régie. S'il vous plaît, il m'a dit, vous faites trop de bruit, dans 5 secondes ça tremble dans la merde. Par pitié, faites pas de bruit. Putain, gros, y'a ta gâteau. Gros, je rigole pas, y'a vraiment ta caméra, mon puce couple et TTN Inox. Tu sais c'est lesquels, Inox? C'est lesquels? C'est les oranges, frère. Ok, faut pas que je fasse de bruit. Les gars, comment on trouve la clé? Frère, je sais pas, je suis en train de chercher un autre de la lumière. Ah oui, par contre. Mais t'es con, c'est ça, merde. Ah oui, y'a. Les gars! Quoi? J'ai un cumé! Non, tu mens. Les gars, je touche une chaussette! Aïe, gros, j'ai soufflé! Hein? Les gars! Je suis en train de toucher un talon là! Oh! C'est une meuf! Mais elle est là! Tu parles? Vas-y, continue, frère. Wesh, c'est pas Lyon. Oh, c'est un garçon, ouais, c'est pas une meuf. Mais qu'est-ce que tu fous là, frère? Vas-y, cherche la clé, frère. Ok. Cherche la clé. Mais t'as pas un indice à nous donner? Il y a des assiettes là, putain. Ah! C'est quoi? C'est de la farine. T'as pas la clé. C'est de la farine, ça? Avec les dents, c'est sûr. Il m'a mis un pétard dans la tête! C'est du pion épuisé, frère. Du pion épuisé. Les gars, j'ai touché une vomi. Je te jure, frère, ce qu'on a touché avec Inox, je sais pas ce qu'on dirait du vomi, frère. Aïe! Je me suis pris un coup! Non, je le lance pas. Je sais pas c'est quoi. Il y a des assiettes de vomi. Mais comment ça, des assiettes de vomi? Là. Quoi? Il y a des assiettes de vomi. Aïe! Putain, frère, je suis pris un câble là. Attends. Gros, j'ai des rides touches.
Est-ce que c'est une clé? Oh putain! Oh, oh attends, il y a quelqu'un qui me touche le cul, j'aime trop. Mais j'en ai pas, frérot. Quoi? Moi j'avais trouvé une clé depuis le début. Mais c'est pas du tout une clé de. C'est pas du tout une clé de. Et moi, frérot? De cadenas, toi, c'est une clé de cadenas. C'est une clé de braquer. Ok, alors faut aller tout au fond et l'essayer. Ah, mais. Oh! Pour essayer sur le fond. Attends, mais il casse quand même là. Je tape là. Y'a un mec qui me parle là. Mais c'est le caméraman. C'est le caméraman, gros. Y'a un mec qui parle. Là, là. Karim et Rahman. Putain, je vois rien, les gars. C'est la salle du caca. Vas-y, allume. Je sais pas, j'ai le droit d'allumer ou pas à la régie. Oh, oh. Ma caméra. C'est bon? C'est pas dans la merde? Ma caméra. Bah non, non, jure. Oh, c'est pas dans le caca. Oh, oh putain, en plus, non, ça c'est une matière, gros, c'est lavable. Oh, c'est tombé? Quoi? Non, c'est bon. Mais il est où le caca? Oh, let's go. C'est ça le caca, frère. Oh putain. On a réussi, les gars. Oh, let's go, bien joué l'équipe. Mais c'est quoi le liquide, là? Mais frérot, c'était... Ouais, ils ont prisonné mon... Ah, c'était du lait. Ah, c'est du lait, toi, ça avait... Oh, putain, il y a eu un sac poubelle, il y a un moment, j'ai fouillé dedans, il y avait plus un fond. Ah, dans un sachet? Ah, il y en avait une autre de... Carrément, j'ai un sachet là-dedans. Oh, putain. Oh, ça m'a fait peur, hein. Moi aussi. Mais oh. j'ai pris... Mais tu sais que je me suis fait trop mal à un moment. Ah ouais. Oh, je me suis fait trop mal, hein. Il y avait des casseroles qui flottaient en moi, c'était horrible. Ah. Oh, oh. Oh là là. Au mur. Quoi? Bon, j'ai failli décrocher ma caméra, elle a failli tomber dans la merde. Oh putain. Ça, c'est de la merde. Oh, c'est une nouvelle sorte de merde. C'est de la chiasse, quoi. Putain, mais oh, je sais pas dans quoi j'ai trempé, c'est vis. Gros, j'ai failli perdre ma caméra, chérie, frère. Ah, mais moi, ça pue de ce que j'ai touché, c'est passé quoi? Oh, oh. Ah non, le bâtard. Ah, oh, le bâtard. Ah, c'est même passé quoi? Ah, je peux laver les mains dans l'eau. J'ai du caca. On voit trop bien ce moi. Allez, bien fait pour toi. Wesh. Attends. Mais tu t'es démonté la casserole. Mais attends, il s'est pris la casserole. Mais comment ça, il avait envie. Mais il s'est démonté. Ça va. Oh putain. Mais attends, frère. Eh, il était trop bien l'épreuve. C'est trop une dinguerie, t'as pris la casserole dans la tête. Oh putain. Oh, il l'a cherché, il m'a attaqué sans raison. Oh. Ouais. Les amis, on a accédé. Oh hein? Ouais, il y a bah un ouais. Anneau. C'est à qui ça? Oh, je jure, c'est ma bague. Oh, je t'ai sauvé. Oh, je jure, c'est ma bague. Oh, je t'ai sauvé. Attends, mais c'est trop une dinguerie. Attends, mais t'as perdu ta bague. Bah ouais, je l'avais perdue. Les amis, vous saviez, je vous l'avais pas dit, mais tout ça avait un but bien précis. Mais non. Oh, grâce à ce qu'on a réussi à faire là, on va pouvoir se changer pour One Piece. One Piece, let's go. Les amis, générique, One Piece. Pas du tout. Non. Non, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est ça? Mais c'est pas... T'as fait une transition? Qu'est-ce qui ouais. Tu t'es ouvert? Ah, oh, je me suis ouvert. Non, jure-le, c'est vrai. Non, tu t'es ouvert ou pas? Oh, blessé invité, il va plus jamais venir. Je me suis ouvert. Non, moi aussi, je me suis ouvert, c'est quand ton chien il m'a attaqué de sang-froid. Ouais, moi aussi, là, il est là. Désolé. Frérot, je suis sûr que t'es pas ouvert, c'est du caca. Ouais, j'en étais sûr, frère, ça se voyait. Putain. Les amis, générique. Transition One Piece. Ok les amis, on va changer. Oh salut. Salut. Oh mais les gars. Y'a quelqu'un? Quoi? Mais c'est inspecteur, oh. Inspecteur caca qui connaît les chiennes. Oh. C'est toi qui étais responsable. Oh y'a un coffre. T'as pas honte? Dans ce coffre les amis. Oh, y'a un coffre. Vous savez très bien ce qu'il y a dans ce coffre. Mais non. Oh y'a des... Eh ouais frère. Wouh. Prends tout ce qu'il faut, tiens. Ça c'est moi, c'est mon déguisement. Ben vous savez ce qu'on fait? Pour pas se mettre à poil ici. Ben... Moi je veux bien. Ben... Oh là là. Y'a le droit non sur Twitch? Ben... Non, en vrai, c'est... Ah ouais, c'est en slip. Caleçon, t'as le droit, je crois. Franchement, caleçon, je crois que t'as le droit. Ça, c'est pas à moi. Oh, trop bien.
Vous kiffez ou pas en vrai de vrai? Ouais, c'est trop bien. Ouais, là je déteste. Mais ça, la coupe, vous aimez bien? T'aimes pas la coupe? Mais il s'est mis à... Mais frérot, c'est ça ton truc, toi? Mais frérot, il lui sape trop vite. Ouais, mais attends, mais il sape trop vite. Attends, pas ça. Attends, parce que moi, frère, pour moi, faut jouer à Wall Plat. Ouais, moi aussi, putain, faut faire vite. Ah. Les amis, vous savez qu'en plus, il y a Billy qui nous attend là-bas. Il y a Billy qui nous attend. Ah ouais? Non, là, on va être tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Tous, mais non, tous ensemble pour la fin de l'émission, les amis. Ah oui. Il y aura Jimbe? Les gars, j'adore cette émission. J'adore. C'est vrai, t'aimes ou pas? Oh, est-ce qu'il t'a vu? Ouais, il m'a baisé, Moi, j'essaye. Moi, ça fait 15 jours que j'essaye de faire une émission qui fait plaisir. 15 jours! J'ai kiffé, François. J'en plus! J'en plus pour faire des bonnes émissions pour te faire content! Oh, t'as bien dormi hier, t'as bien dormi. J'ai bien dormi, mais tu m'as assez gris. Si tu m'as attaché. Ça fait plaisir en vrai. Bien joué, les gars. Bien joué à toi, mec. Bien joué à toi, mec. Eh, franchement, je pensais vraiment que ça allait être impossible et que la prod allait devoir nous donner la réponse. Ouais, mais je suis trop fort. Pour la clé. Tu as trouvé dans un sac poubelle? Ah, la clé, on a bien réussi, hein. Et tu sais qu'en plus, je voulais vous baiser. Parce que dès le début, je suis tombé sur une clé, tu vois. Hein? Et j'ai dit à la cam, je suis tombé sur une clé dès le début, je disais à la cam, chute et tout, on dit pas que j'ai la clé. Mais en t'as fait, pas c'était pas la bonne, c'était fausse. Des grandes manœuvres qu'il a pas la bonne clé. Ben ouais, parce que je veux que ça dure. Comme ça, j'ai vu une clé sur la table. Ben en fait, c'était pas les bonnes. Et au final, t'as mis la clé sur la porte. Non? Oh, les déguisements de fou fan, de fou malade. Bien sûr, déguisement de fou furieux, frère. Bien sûr, déguisement de fou furieux. Bon, ben je me mets à poil aussi, hein. Voilà, je vous le dis. Oh non. Et à partir de maintenant, bah ouais, pas le choix, frère. Le clip il va être horrible. Ah ouais, bah j'ai pas le choix, je dois me mettre à poil. En plus, moi je mets pas de caleçon. Je suis à poil à poil. Hein? Mais tu vas être ouais, je mets pas de caleçon. J'aime trop être à poil, pas vous les gars? Bah, genre en mode, tu mets juste un jean quoi. Et j'ai jamais compris que c'est les mecs qui font des tweets en mode trop bien invité seul, tu peux être tout nu et tout. Moi je comprends pas, wesh. T'aimes pas être tout nu toi? Non, c'est nul. Tu dors pas tout nu? Bah non. Ah non, ça, dormir tout nu, c'est pas bien. Tu vois, en caleçon genre. Ça les gars, dormir tout nu, moi non, mais en caleçon. Mais en caleçon, vas-y. En caleçon, oui. Moi, je dors en caleçon. Bah voilà, voilà. Mais dormir tout nu? Non, tout nu, c'est les tueurs en série, je pense. C'est ça. Je veux dire, frérot. Mais tout nu, non, dormir tout nu, c'est gore. Non, c'est trop une dinguerie. Je suis d'accord. Il est où mon bandana? Moi, je suis où ça? Bah, je sais pas, frère. Il est pas là. Eh, hey, les gars, notez ma tenue sur 10. Je vois pas le chat, moi. Bah ouais, du coup, tu vas pas savoir. Imagine, ils disent 3 et tu dis merci. Ouais, ouais, ils vont dire 3 du coup, comme t'as dit. Voilà. Toi, tu veux que je me fasse à gras? Bah non, pas du tout, justement. Hein? C'est grave de faire ça, Maxime. T'influences le chat. Bah oui, il a. Oh, mettez-moi 10. Où ça? Hop, vas-y, je mets les chaussures, on est prêt là. Attends, on a fait plutôt vite, je pensais qu'on allait mettre plus de temps. Là, du coup, je suis trop mort parce qu'il y a Billy qui nous attend en Zorro là. Là, il y a Billy. Il est clairement avec ses sabres. La gueule du Zorro. Est-ce que vous avez vu la photo qu'il a mis avec les sabres? Il y a rien dans le coffre? Non, je crois pas. Hein. Ouais, non, il y a rien. Ouais, le reste, c'est pas pour nous, je crois. Hein. Ouais, non, c'est pas pour nous, les gars. Hop. Ok, les amis, c'est parti, on va y aller. N'oubliez pas un truc, c'est qu'une fois arrivé là-bas, va falloir remettre les micros. Et ça, c'est chiant. Oh, oh, oh. Par contre, juste. Attendez. Ok, la prod m'a dit il faut pas toucher à ça, ok? Ça on touche pas, apparemment, faut pas toucher. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, vous avez rien oublié? Vous avez rien oublié là-dedans? Non, moi il y a ma TN, j'aimerais bien la reprendre. J'avoue. Ah oui, j'avoue, mais t'inquiète, on l'enlèvera. Non, Grim, touche pas à ça par contre en vrai. Quoi? Ouais, la prod elle a dit c'est une expérience, faut pas toucher encore. Nox, tiens. Non, croque pas dedans, là, je me fais engueuler par la prod. Non! Arrête! Non!
Rebonjour les amis, c'est trop une dinguerie cet opening. Viens mon frérot Inox. Viens avec nous. Ouais. Viens avec nous. Ah, mais... Regarde-moi ça, ouais, t'as trois sables, comment ça va être trop chiant. C'est ah, vous avez vu le générique ou pas? Oh, le générique de Zazin, le générique de Zazin. Je pense qu'on a fait mieux qu'Eshiroda, on peut se le dire. Ouais, je pense qu'on peut se le dire, on l'a éteint, on l'a éteint. Oh, c'est trop une dinguerie. Les amis, actuellement, on attend Grimm parce que, vas-y, il est en retard, il va faire, il met son micro. On va faire une sorte d'aventure. Une aventure sur One Piece. Toi, tu es Zoro. Oui. Ça se voit. Toi, tu es Luffy, ça se voit. Moi, je suis Sanji, frère, ils m'ont pas respecté, j'ai même pas le truc. Aberrant. Ah, c'est aberrant. Sanji, il est aberrant. Frérot, le Sanji, je vous jure, on dirait pas Sanji. On dirait un petit lutin, genre. Ah, Inok, faut que tu reviennes. Apparemment, ton micro est pas bien mis. Zoro, tu t'es bien entraîné aujourd'hui? Et Sanji, qu'est-ce que tu me prépares de bon? Un bon petit roast beef? T'es obligé de... En vrai, t'es pas obligé de faire le RP. T'as appris le Gear Second ou quoi alors? T'es pas obligé de faire le RP, frérot. Là, tu mets tout le monde. En vrai, tu mets tout le monde mal à l'aise. Billy, carrément. Ah, moi j'ai peur, hein, vous savez, moi j'en ai vécu des trucs sur mon île. Il y avait une minute, même pas. Genre. Une minute, il y avait une ambiance de fou. Mets ton nez pour voir comment ça rend. Ah, je te jure, c'est trop bien. Non, c'est vraiment Usopp là, par contre. Là, c'est vraiment Usopp. Là, on dirait vraiment. Là, vraiment, là, par contre, c'est vraiment Usopp. Approche-toi de la cam, vite fait. Je te jure, c'est vraiment Usopp. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi il a pas été dans le live action de One Piece qui va sortir? Mais frérot, je te jure que ça devrait être lui. Moi je pense au Usopp. Moi j'aurais dû être Sanji, je pense. Non, mais Netflix, ah, il dort trop là. Ouais, il dort trop. Mais les amis, il manque une personne dans l'équipage. Est-ce qu'il y a Nami qui va nous rejoindre? Oh, il y a Nami? Bah oui, il y a Nami. Ah, oui. Non, mais normalement, il y a Nami. Il était là dans l'opening, oui. Ah, enfin, elle était là dans l'opening. Ouais, je t'étais ah, où là, ah, voilà, Nami. Ah ouais, Nami, ouais. Ah, c'est Nemo là. Là, c'est Arlong là. Il a dit Arlong. Je jurais pour une fois, il est drôle. Quand ça, non. Pour une fois. Ah, le pour une fois, c'était vraiment gratuit. Non, vas-y frère, là tu partais bien, t'as dit pour une fois. Frérot, explique-nous, t'as l'air content d'être là ou... Hami, ça va. Guetté ses talons. Là, ils m'ont mis Hami, c'est là. Ah, là, ils m'ont bien. Aïe, aïe, aïe. Eh les gars, c'est plus Nami, c'est Mamie. Elle va faire des repas. Bon, vas-y. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Maxime et Grimm au bout d'un moment? Il se déguise en Zoro et tout. Vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes juste là pour... Pourquoi? Moi j'ai pas fait exprès, je disais oui mais une autre conf déjà. Et t'as notif à Pop et j'ai répondu oui. Ah, non. T'as répondu oui à moi? Ouais. Et du coup moi après j'étais bloqué, j'ai dit ah ok, j'ai tout dépensé. Pris au piège, vraiment j'ai pas fait exprès. Ah, t'étais pris au piège. Les gars, c'est Khalil qu'on attaque cette fois. Eh vas-y, je crois on va commencer hein. Mais commencer quoi frérot? Eh ben justement les amis, si vous êtes là, parce que moi j'ai la carte qui mène aux Enpeace. Sauf que j'ai besoin d'un équipage. Mais frérot, t'es avec nous, non, on est là. Non, mais attends, moi je sais pas de quoi vous êtes capable. Mais juste, c'est bizarre. Coup, parce que ouais. Nami, t'aimes bien l'argent, mais t'as jamais été payé. Dans ça, c'est dinguerie, frère. Non, mais attends, en plus, jamais été payé. Au bout d'un moment, faut qu'il te paye, non, je veux dire. C'est un running fou. Je te jure, je les paye trop bien. C'est vrai ça? Mais j'ai zéro, frère. Moi, je suis pas payé non plus. Non, t'es pas payé. T'es payé? Rien du tout. Pas vrai, frère. Bon, désolé pour avoir. La Porsche, c'était à cause de ça. On va dire, du coup, moi, de quoi vous êtes capable. Ok. Pour venir avec moi récupérer les Enpeace. Ok, d'accord. Pour ça, il y a 4 épreuves. Ah, une par personne, genre? Non. Ah. 4 ensemble. Ok. Et on va commencer par la première, les potes qui est juste derrière vous. Donc vous allez passer de l'autre côté de la table et d'accord. Vous mettre chacun devant une couverture, un drap, un truc. Je me mets là, moi. Je me mets là. Voilà. Oh, vous êtes sûr? Attends, mais ça fait. Oh non. Oh non. Je connais cette odeur. Attends, attends. Check mes Nakama. Vous avez 3 secondes pour changer maintenant de position si vous voulez. Après, c'est fini. Je change pas, j'assume. Moi, je change pas, j'assume. Attends. Ok. Bah, t'as pas le choix en fait. Je change pas, tant pis. Du coup, le but, c'est que vous allez soulever les torchons. Ça pue la merde. Et vous allez devoir finir le fruit qu'il y a devant vous. Et vous avez 4 minutes pour le faire. Faut le faire le plus vite. Et si vous voyez qu'il y a un pote, si vous voyez qu'il y a un pote qui galère, ça c'est mentalité équipage, vous l'aidez à finir le. D'accord. 1, 2, 3. Allez, enlevez. Yeah! Yes! Oh, t'es dans la merde! Oh, t'es dans la merde! Mais c'est quoi ça? C'est du surstroming! C'est du surstroming! C'est le fruit vert là! Le durian! C'est le durian! Si tu le finis, t'as. Oh! J'ai un ananas, mais les gars! Allez, mec, t'es fort! Bon, les potes! Tu es ou pas? Mais... Par contre, il est périmé, les gars! Non, c'est un vrai! Laissez-moi manger le citron, s'il vous plaît! Oh. Attends! J'ai mon couteau pour couper la. Ouais, vas-y! J'allais vous dire! Vous avez. Oh, Neymar! Oh, oui! Oh, comment, écoute, je vous jure, commencez pas! Ils sont bien, les appuis! Je vous jure, commencez pas! Les gars, vous devez vomir, vous devez vous démerder! Vous devez. Frère, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça frise! Mais gros! Il a du
vous devez. Attends. Gucci, mais gros, c'est attends, quoi c'est trop bien, j'ai un citron. Mais là, les gars, je te démerder par exemple pour l'ouvrir. Attends, je vais l'ouvrir. Quatre lots katana. Quatre lots katana, Billy, s'il te plaît. Mais attends, mais c'est une épreuve quand même. Du coup, je vais vous dire 3, 2, 1, et là, vous vous acharnez sur vos fruits et vous les finissez. Et vous vous démerdez pour les ouvrir et les finir. 3, 2, 1, top. Vas-y, non, faut que tu dises le nom de l'attaque avant. Bismillah. Je suis incapable de Maxime, t'es obligé. Non, c'est mon sabre. Toi, tu te débrouilles. Mais citron, c'est horrible. Il faut finir. Non, franchement, même un coup de katana. En vrai. Arrête, viens, on est pas en live. Je vais vomir. Vraiment, je rigole pas, je vais vomir. Concentre-toi. C'est rien. Mais oui. En fait, c'est dans la tête, tu dis que c'est pas bon, du coup, c'est ça. Mais si je te dis demain, grâce à ça, Zen, j'augmente à 10 000. Frérot, j'augmente à 10 000 chaque épisode si tu le finis. Frérot, quel intérêt. Attends, je tiens un col. Prochain Zen, je te donne 10 000 euros à moi. Maintenant, si tu le finis sans broncher, frère. Je te donne 10 000 euros, tu feras ton Zen que tu veux. Mais t'as pas. Là, c'est-à-dire, à partir du moment où tu le prends, t'as une minute, tu le finis, je te donne 10 000 euros. Et j'ai juré, t'auras 10 000 euros de bonus pour la prochaine émission. Le Zen de fou que tu vas faire. Et je prendrai 100% des bénéfices. Non mais. Maxime. Frérot, je vous jure, les gars, c'est pas normal. Maxime, t'as pas le droit de dire non. Regardez comme il est périmé, on dirait de la crème. Regarde, c'est pas normal que ça soit comme ça. C'est noté dans le dictionnaire. Ok, mais t'en es où là? Ah, mais vas-y, finis, tu dois finir, hein, frérot. En vrai, faut finir. Faut dire de la mayonnaise. Les gars, juste goûter, c'est une dinguerie ce que je fais. En vrai, tout le monde goûte pour l'aider, en vrai. Non, mais si, je goûte, je viens, je goûte pas. Mais bon, je viens de goûter. Mais je finis mon fruit d'abord, t'inquiète. Les gars, j'ai. Non, c'est pas. David, comprends-moi, je te jure, je peux pas. Non, faut finir, il y a 4 minutes. Maxime. Bon, maintenant, plus de 3 minutes Maxime, là. Je serai de vomir. Maxime. Vite. Non, il reste que 3 minutes. Si je vomis en live, motive-les. Si tu vomis en live, c'est ouais, le vomi, c'est bad. Je galérais pas, t'as mis tes doigts partout. Regarde, les gars, je vous jure, il est périmé, c'est pas normal que ce soit une crêpe comme ça. Non, moi aussi. T'as pas fait, faut finir. Non, il faut, les gars. Je vous jure. Montre-lui comment tu fais. Allez, faut finir là. Le citron. Voilà, je mange ça. Il y a que Billy là qui fait, les gars. Mais déjà ouf, toi. Non, tu fais rien du tout, tu t'acharnes pas dessus, t'as 2 minutes pour finir là. Ça se mange là pas ou pas? Il y a tout qui se mange. Attends, Billy, t'as un bout de dragon dans les poches. Il faut y arriver. T'as dit quoi? Non, mon gars, t'inquiète. Le citron aussi, c'est dur. Fort, en vrai. Les gars, je rigole pas. T'as goûté ça? Mais la nana. J'ai goûté 3 fois, frère, je suis en train de vomir. Oh, le bout énorme que t'as pris. Il va vomir. Elie, on vomit pas. Ton ami. Non, t'es malade. Putain de labrador, ce type. C'est un gros Doberman. Palette Doberman, frérot. C'est pas possible. Mais C'est pas possible. Non, c'est impossible. Je te jure, j'avais mangé un chez Yas. Il est pas dégueulasse, en fait. Ouais, j'ai pleuré. C'est dégueu, j'ai déjà mangé. Non. Je l'ai mangé. Juste l'odeur, ça sent dans tout le plat. En vrai, je suis un forceur, je trouve, dans l'équipage, parce que Nami vient d'en taper une bonne quantité. J'ai mon pote, t'as mangé du citron. Sandy, t'es custo, gros, ça y est, bouffe. Toi, tu te régales avec ton ananas, t'as même pas mangé tout à l'heure. Bah ouais, ça y est. Il mange un fruit du dragon. C'est trop bien. Écoute le fruit. Viens là, toi. Qu'est-ce que t'as fait? Mets ton micro là. Quoi? Mets ton micro. Il est où mon micro? Il est sous ta bouche. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est emmêlé le pinceau. C'est quoi ce truc là? Ah ok. Oh mais tu pues! Aide! Mais ça pue, je te dis. Toi tu pues, t'as pas de moi. Maxime, fais un effort s'il te plaît. Frérot, je te jure, j'en ai mangé 3 fois. Frère, tu peux manger au moins 3 fois, je peux pas. Je veux une chose, c'est que tu manges au moins comme moi ce que j'ai fait. Je peux pas. Je t'ai dit qu'il y avait rien. Non, regarde, je peux pas. Mais je peux pas. Je t'ai montré quand même. On fait l'émission, on finit l'émission. Regarde Billy, regarde Billy, comment il fait lui. Cut, mais il a un ananas. Il a un putain d'ananas. Tu peux manger. Je peux manger un truc. C'est dur moi aussi. Je peux manger un ananas. J'en ai mangé 3 fois. Tu dis un truc, t'as pas regardé. Tu manges un truc, vous remportez l'épreuve. Voilà. Non, là je vais vomir. Là je vais vomir. Je vais vomir. Ah, c'est une dingue. Là, aidez-le. Ah non. De quoi? Grim. C'est un ouf. Grim, la régie elle m'a dit il faut pas que tu manges la peau, c'est dangereux en fait. La peau c'est dangereux, m'a dit la régie. Les gars, en fait, vous vous rendez pas compte de la dinguerie qu'il vient de faire. Parce que je vous jure que l'odeur, c'est un truc de ouf. Attends, mais Nami, comment ça la peau c'est dangereux? Ils ont dit c'est dangereux, ils m'ont dit. Dis à Grim en fait de pas manger ça, c'est dangereux. Bon, franchement. Oh, apportez un coca. S'il vous plaît, en régie, apportez de l'eau. Il y a de l'eau là. Il va vomir en vrai, c'est dingue. De l'eau. On est en 1460, y'a pas de coca qui existe, frérot. Apportez de l'eau salée de mer, s'il vous plaît. Frérot, l'émission, là c'est réussi, là c'est bon. Franchement, grâce à Inox, franchement, vous pouvez l'applaudir parce que là, moi je vous donne l'épreuve. Merci. Merci, Inox. Vous pouvez l'applaudir.
Eh, hey, non, attention, c'est carte. Et si vous voulez, il y a de l'eau derrière. Il y a de l'eau si vous voulez derrière vous. Côté de la. Côté de. Ouais, à côté de la poste, il y a du papier de l'eau, mais on a déjà tout utilisé. Il en faut plus, les gars. Ah, c'est dégueulasse. C'est frérot, le pire truc que j'ai jamais mangé. Frérot, et en plus, l'odeur, oh, elle reste. Non, mais tout, l'odeur, elle est sur les doigts, elle reste. Regarde. Elle est sur mon micro et tout. Oh. Ah, mais. Oh. Ouais, je mets ta nana sur le pif. Qu'est-ce que vous avez ouais, de bah franchement, mais je crois. Ouais, tu pleures, frère. Derrière Grim. Il y a plus d'eau, les gars. Les gars. S'il te plaît, dis-leur qu'il n'y a plus rien, faut rappeler. J'aurais dit, il n'y a plus rien, frère. J'aurais dit. Il n'y a plus d'eau, les gars. Il n'y a plus rien. Wow, bon, bah, franchement, grâce à Inox, franchement, moi je vous donne un morceau de la carte du trésor. Oh merci, oh, yes. C'est Inox qui l'a. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est nous qui vous donnera un indice pour. Vous verrez plus tard parce que j'ai failli spoil complètement le. Ah oui, d'accord, ok. J'ai failli spoil là. Ok, très bien. Voilà. Vas-y. Ok, on a un bout de carte, on le garde là. Vous avez un bout de carte, gardez-le de côté, c'est précieux. Il y a de l'eau qui arrive pour Inox. Mais personne pour l'amener de serviette quand même. Celui-là, t'en as plein partout. Si tu veux tester. Par contre, que quelqu'un éjecte le surstroming, j'en peux plus. Ouais, ça. Toi aussi, tu pues là. C'est le pire truc à manger, je vous dis. Maxime, on passe à la deuxième épreuve, je crois bien. Ok, passez à la deuxième. Mais amenez vite à Inox dès que possible, s'il vous plaît. Là, il a été chaud. Franchement, il a été chaud. Mais je pense que les gens n'ont pas l'odeur, ils peuvent pas savoir. Bravo Billy, là, mange la moitié de la nana. Bravo Billy, bravo. En même temps, frère, manger un ananas, moi, tu le remercies. Oh, vous avez aucun ananas, c'est aucun effort. Tais-toi, on a tous mangé fruits maintenant. Bien joué, Grim. Bien joué, frérot. Arrête, hey, vous oubliez, oh, faut dire Zoro, wesh, on est dans One Piece. Un bout d'ananas là et là, frérot. Un peu sur le bout du pif. Les gars, bravo, frérot. On a réussi et que ça soit tout seul ou ensemble. On trinque ensemble. Frérot, parle plus loin. Oh là là. Mais bois, non ? Deuxième épreuve. Ok, c'est parti. Allez, let's go, on passe de ce côté maintenant. Ok. Oh, j'espère qu'il n'y a plus de trucs à bouffer, frère. Mes potes, hop là. Bah, t'as dit on passe de l'autre côté, t'as fermé. Y'a que toi qui. Ah, y'a comment qui va ? Ah, mais eux ils vont rester ici du côté. T'es dans le dos. Ok. Ils vont rester ici du côté. Attendez les gars, il raconte les preuves. Mais attendez, je raconte les preuves. Il a fait quoi ? Il me rate dans le dos. Wesh, frère. Il va pas bien ? Je sais pas, il a mangé le fruit, je crois. La fille ? Ça va, frérot ? La fille ? Ouais, c'est dans Thriller, Michael Jackson, il était comme ça. Il a un guerrier de quoi ? Ça va ? Ouais, c'est bon, ça va. Oh non, 1460, y'a pas Michael Jackson. C'est Si, y'a un gars, je connais, il s'appelle comme ça. Y'a Claude François et Charlemagne. Allez, les gars. Ah, ok. C'est là que ça se passe, hein. Ok, on fait comme numéro 2. Vous trois, vous allez devoir aider Maxime qui va passer derrière. Tu vas avoir 5 portraits de capitaine. Ok. Ok, affichés. Tu dois au moins donner 3 noms des portraits affichés. Pour ça. Ah, je dois leur faire deviner. Exactement. Tu dois décrire les portraits des capitaines et vous devez l'aider à trouver en fonction de comment vas-y, vous décrire. Trop facile. Vas-y, file. Hey, frérot. Trop facile. Attends, moi je vais pas à côté d'ici. Ah, je vois les portraits. Et c'est des vrais. Non, et où tu vas, toi? Mais t'as rien suivi, frère. Je t'ai dit de rester là. Et là, il va te dire. Arrête la laine. Arrête. Non, c'est vrai. C'est une venelle. Ah, arrête, c'est bon. Ouais, arrête. Ça te pique les yeux, frérot. Oh les gars, il y a les preuves, oh. Vas-y Maxime, dis-leur. Ok, vous êtes prêts ou pas? Par contre, vous regardez pas le retour, parce que c'est ah ouais. Ah non, frérot, quand même. Zoro, t'as fait quoi comme entraînement aujourd'hui? Je vais vous décrire les personnages. Eh, c'est quoi le but? J'ai soulevé... Je vais vous décrire les personnages. Tu dois écouter et deviner qui décrit. Il combat dans 3-2-1. Putain, ça. Non, attends, c'est un vrai sable. Maintenant, tu gueules comment ils sont. Kuno Stendayo Kendayana. Non, c'est un vrai sable. Achuna. C'est un vrai sabre, arrête, non! Non, frère, il est vraiment piquant! Arrête! Il est vraiment piquant, frérot! Je rigole pas! Halte! Arrête! Frérot, si on fait pas l'épreuve, on n'a pas réussi l'épreuve. Tu veux faire réussir l'épreuve ou pas? On veut réussir l'épreuve! Ben voilà! Alors, vous allez! Maintenant, je vais vous décrire des personnages, vous devez me dire leur nom. Si vous réussissez pas à dire le nom, on n'a pas fini l'épreuve. Si on finit pas l'épreuve, on est mort. D'accord. Okay. On est mort premier degré, genre. Quelqu'un c'est bon ou pas? C'est bon. C'est bon pour okay, vous? C'est bien. Ok, les amis, restez concentrés. C'est pas des plus, hein. Il y a un monsieur, écoutez-moi bien. Il y a un monsieur, il a une barbe et un trou dans le torse. Il est baraqué. Regardez par retour. Attends, une barbe et un trou dans le torse. Barbe et un trou dans le torse. Je sais pas où un tatouage. Kaido. Kuma. Kaido. Non. Il y a un tatouage un peu rond de soleil dans le torse. Kuma. Jinbe. Kuma. Jinbe. Jinbe, mais il a pas. Non, un tatouage rond. Barbe blanche. C'est Kuma, frère. Barbe blanche. Arlong. Continue de décrire déjà. Kuma, non. Attends. Il a pas les impossibles, ils sont dans le dos. Il a un rond. Après, il a des épaulettes. Il a des. Est-ce qu'il a des coussinets sur les mains? On voit pas ses mains, il est très costaud, il est grand, il est métis. Il a un chapeau de pirate. Il est quelle couleur? Il est quelle couleur? Est-ce qu'il a un chapeau de pirate ou de la marine? Attends, tu reprends. Ben, il a un bandana. Il est quelle couleur? Il a une grosse barbe. Ben, il est genre métis, quoi. C'est Kuma. On dirait. Ah non, il est rouge, Kuma. Attends. Ça fait 4 fois que tu dis que c'est Kuma. C'est pas Kuma. Dans 2 secondes, je veux un nom là. Les gens disent il est rouge. Attends, on dirait un humain ou pas? Bah ouais, c'est un humain.
Mon Dieu, c'est la meuf. Il casse les couilles. Ok, ok. Oh, j'en trouve un autre. C'est la pire question. Parce qu'il y a des animaux dans votre fiche. Je suis un pirate ou pas, frère? Ah, c'est bon, j'en trouve un autre. Ok, c'est une femme avec des boucles d'oreilles. Des Bangkok. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai un nom. J'ai un nom, il m'en manque deux. C'est nickel. Ok, il y en a pareil, encore une femme, mais cette fois elle est vieille et elle a. Big Mom. Non, elle a. Bon, elle a des gros nibards, voilà. Big Mom. Bah, je sais pas, elle a un collier de perles. Elle est vieille. Elle a des cheveux longs, peut-être c'est un mec. Peut-être c'est un mec. Oh, Ivankov. Ivankov. Non, elle a un truc rayé. Elle a un truc rayé. Elle a un truc rayé, genre marinière, elle a une grosse carie. Non, c'est Ivankov. Attends, marinière. Elle a un grand nez, elle a un énorme nez. C'est Ivankov. Elle a une grosse tête. Non, attends, c'est la vieille. C'est pas la. C'est la pote de Big Mom. Grappoula ou. Mais non, c'est pas la vieille qui a le fruit de la lessive à la marine. Ce que tu dis, c'est bien Inox, mais c'est pas le nom. C'est la meuf de Big avec le gros nez de sorcière. Charlotte. Ah, brûlée. Brûlée. Elle a un nom que. Il existe dans LOL. Passe à un autre. Miss Fortune. Brûlée morte de Kaiser. Ah, vas-y, niquez vos races. Vas-y, passe à un autre là. Il en manque deux, il en manque deux. Deux, vous pouvez le faire en vrai. Poppy. Ok, là, il y en a un, écoutez-moi bien. Il a de la fumée partout autour de lui. Smoker. Il a des gros. On dirait un peu Son Goku, mais je crois qu'il ressemble pas à Son Goku dans la vraie vie. Smoker. Non. Il a un nom. Il a un nom. Crocodile. Un nom français, genre classique. Crocodile. Non. Et il a un tatouage avec une croix et une lune. Eric. Barbe blanche. Il a un nom plutôt espagnol, on va dire, je crois. Mihawk. Dante. Non. Toro Flaming. Non. C'est une dinguerie, frère. Flamingo. Non. Il a de la fumée. Bah, autour de lui, sur la photo, il a de la fumée. Il a un regard malicieux. On dirait il est méchant, mais je suis pas sûr. Oh, oh, César Clown. Non. Enrique. Ça commence par M. M. M le maudit. Modric. Bah non, c'est un footballeur, ça. Mario. Oui, c'était presque ça. Il peut redette de ses cendres. Marco. Oui. Ouais. C'est Marco. Il peut pas dire que c'est un phénix. Allez, plus qu'un. Non, mais lui. Quoi? Non, mais c'est bon, là. Il est trop nul. Eh, il va te faire foutre son fils, sale merde. Il est trop nul. Allez, continue, un dernier. S'il vous plaît, rappelez-vous de la vieille. Elle a deux noms. Elle a deux noms. Elle a un collier de perles, un grand nez, gros cheveux noirs, couette, un nom composé. Attends, est-ce qu'il y a une cicatrice sur la bouche? Non, c'est une meuf avec une grande bouche, un grand nez. C'est une méchante ou une gentille? Je crois elle a l'air méchante, mais peut-être elle est pas méchante. Attends, elle est vieille? Ouais, elle a l'air vieille. Mais il connaît rien, lui. Ça vient quoi là? Non, mais il y a une autre affiche. Elle a une marinière, les gars. Il y a une autre affiche ou pas? Attends, une marinière. Ah! C'est pas la. Ah non, c'est pas la meuf de la. Elle a un nom composé, ça commence par K. Ah bah là, vous trouvez là. K. Kamaviga. Mais frérot, tu dis les footballeurs. C'est un C en plus. K. Kamabunga. Ok, il y a une dernière affiche, mais elle est dure à décrire, je vous le dis. C'est quelqu'un, c'est en trois lettres, il a un espèce de chapeau. Ace. Mais frérot. Ah, c'est quatre lettres, c'est quatre lettres. C'est de pute, va. Sabot. Eh, Kam, dis pas, tu parles de quelqu'un pourri. Non. Non, non. Il a un chapeau, il ouvre grand la bouche, il est un peu costaud. Mais il y a aucune info sur la photo. Ace. Non. Il ouvre grand la bouche. Non. C'est ses cheveux, mais on dirait un chapeau. C'est ses cheveux en fait. Il a un cheveu en mode lune. Frère, t'abuses là. En fait, sa coupe de cheveux, c'est ballon de rugby. Il a un ballon de rugby en cheveux. C'est le bateau de Luffy. En 4 lettres. Ah, c'est pas lui. Non. C'est pas le serpent là. C'est pas Apu Scratchman là. Mais les gars, vous connaissez pas. Allez les gars, un dernier en 4 lettres. Mais gros, t'es éclaté. Il a jamais lu One Piece, frère. Un ballon de rugby en coupe de cheveux, c'est pas dire plus simple. Attends, fais voir comment tu décris, j'arrive. C'est un cauchemar. Ah, Mister Chou. Mister Chou. Il s'appelle Oden. Non mais t'as vu Oden Kozuki. Oden. Non mais il a dit Oden. Voilà, let's go, c'est Oden, bravo. Il a dit. Bravo. Vas-y. T'as dit c'est l'une sa coupe de cheveux, c'est de pute. Gros, t'es trop nul. Il a dit c'est un ballon grippé. La tête. Là, hein. les cheveux. C'est une coupole. Attends. Venez voir les images. Va voir. Vous avez écrit exactement. Mais frérot, fais sur ta gueule. Tu dis c'est un homme poisson, fils de pute. Mais j'ai pas dit c'est un homme poisson. Non mais fallait le dire. Mais j'ai dit il a un soleil tatoué. T'as dit c'est un humain, frère. Il a un soleil tatoué, il a un truc. Lui, elle, c'est tout dit. Ah, mais rugby, parce que c'est un chat. Ah, Kata. Mais oui, on dirait un truc. Katarina, ah ouais, comme dans LOL. Ah, Katarina, j'ai tout décrit. Ouais. On aurait pu l'avoir. Mais oui, mais il a pas dit un poisson. Ouais. Mais après, je vous ai dit, il est rouge. Attends, t'as su qu'il est un poisson. One Piece. Non. Attends, mais je vous ai dit, il est rouge. Attends, donc Maxime, tu dis qu'il est un poisson, c'est des renards. Rouge, d'où il est poisson, là? C'est quoi qui est poisson, là, dans la photo? Après, il a des branchies, je veux dire. Ouais, il a des ailerons dans le dos, quand même, frérot. Bon, bah, du coup, grâce à ça, quand même, un morceau de la carte au trésor. Yes. Vas-y, on va la placer. Allez, épreuve suivante, les potes. On va la placer. Eh, t'as pété? Là, ça, quand ça pue ici. Non, je te jure, c'était le tabou, en fait. Ah, Nami, elle a pété. Attends, mais Nami, elle a pété? Wesh. J'ai juré, Nami. Non, non, mais là, tu. Non, c'est. Non, mais là, attends, mais ça pue la mort, là. Ça pue la mort. Non. Ah, mais il y a la trace, là.
Ça, c'est sûr, c'est le fruit du durian, ça. Oh. Ça, c'est sûr, c'est ça. Mais là. Gros, le durian, il sent pas comme ça. Hey, mais... le fruit du durian. Elle est où, la blague? Je sais plus comment il a galéré à la sortir. Mais bon, vous moquez pas, c'est l'invité, vous moquez pas. Non mais c'est Luffy, c'est pour ça, tu sais, il fait exprès. Ah ouais, c'est Luffy, c'est Luffy. Fait exprès d'être trop con et tout. Vas-y, troisième épreuve. Bon, allez, troisième épreuve, les gars. Là, pour ça... Il a du vomi sur l'épaule. Bah ouais, c'est dégueulasse. Ouais, vous m'écoutez? Oui. Inox, Billy, c'est sur vous que ça va compter, celle-là. Ok. Va falloir faire appel à vos bras. Et c'est tout, en fait, que vos bras. Vous allez devoir rester 1 minute 30 les bras tendus avec un sac. Oh là, tu m'as craché dessus. De... Attends, je rêve, vous l'avez fait tout, mais il t'a craché en gros. Non, il m'a éternué dans la gueule. Non, j'ai vu la projection. Non, mais c'est les fonds marins. Ouais. Ah, okay. Ça allait dans ma bouche après. Allez, écoute. Parce que vous risquez de prendre cher. Ah, bah que... Hein? Ok. Vous allez prendre cher parce que... Parce qu'il me parle dans l'oreillette, en fait, toi aussi. Mais non, moi non. Moi, oui. Fais ton taf, gros. Du coup, vous allez devoir remettre debout Inox, Billy, et vous allez devoir monter sur ça. Tous les deux. Quoi? Tu veux regarder sur ma jupe ou quoi, toi, là? Non, mais pas sur le même, en fait. Ah. Pas sur le même, frérot. Hey, hey, mais Zoro, il est trop con. Hey, il s'est perdu ou quoi, celui-là? Et là... Ah, c'était un piège. Non, là, non, mais là, il y a un piège. Ils t'ont piégé, c'est ça. Hey. Bah, attends. C'est toi, Sanji, tu fous de ma gueule. Je le jure, c'était pas prévu. Je te jure, c'était pas prévu. Tu te fous de ma gueule dans. Gros, il y a des clous qui sortent. Tu crois vraiment qu'on aurait prévu ça? Déjà, dans l'équipage, tu te fous tout le temps de ma gueule. T'es un gros bandit. Ouais, t'as essayé. Il a fait exprès ce matin. Je te jure que non. Regardez, il a cligné de l'œil. Il a fait, regarde. Regarde, ça va être pas mal. Il y a des clous qui sortent et tout. Jamais j'aurais fait ça, je te jure. Enlève-le. Attends, non, mais t'abuses. Enlève-le, c'est dangereux. Rad. Non, mais tu sais que là, je peux péter aussi, regarde. Non, mais. Fini là. Ok, bon, on le fait par terre. Vas-y, mais... fais-le par terre. On se reste comme ça, on reste comme ça. Qu'ils allaient nous piéger. Hein. Non, mais frérot, comme Max. Oh non. Si, tiens, tu l'avais pas cassé, pourquoi le casser? Billy. Non, mais c'est dangereux, c'était dangereux, il a raison. Billy, je peux te demander un service, tu donnes un sac à Inox, le sac blanc, et toi aussi t'en prends un. Oh non. Donne celui-là. Attention, frérot, il y a des clous dessus. Tiens, et toi aussi. Non, je dis, il y a des clous dessus, fais gaffe. Oh non, non. C'est un chacun. Là, c'est un chacun. Là, c'est les épaules, en fait. Là. Exactement. Quand je vais vous dire top, vous allez devoir tendre le sac au-dessus de la tête. Une minute. Et vous tenez 1 minute 30. Non ! C'est moi qui gère, en fait. Moi, je vois. Si attends, je... mais les gars, ça fait 10 litres, c'est 10 kilos, ce truc-là. Ouais. Ça veut dire, si ça tombe sur ma tête, il va mourir. Mais oui ! T'as vu ou quoi ? Non, mais ça tombe sur ma tête, je meurs. Frérot, on va mourir ! Non, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Okay. C'est la même preuve que Mathieu Delormeau contre Roff. Frérot, la dernière fois que j'ai entendu, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui a failli se manger un clou dans le pied. De toute façon, Gambatté, on est tous des nakamas et ouais, t'as raison. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous restez 1 minute 30 ou 1 minute, je verrai comment vous êtes. Le plus longtemps. Il a dit 30 minutes. 1 minute 30, frère. Ah, le fils de pute. Non, mais ça fait lourd. Fais avec deux bras, frérot. C'est deux bras. Tiens, je te garde. C'est vous qui voyez, vous devez tenir. Tu vas tenir 1 minute 30. Ça commence quand? Moi, pour moi, je suis honnêtement, tu fais un bras et après tu fais l'autre pour reposer un peu, tu vois. Allez, vas-y, top. 3, 2, 1, go. Gros, si ça tombe, je suis mort là. Ça me démonte. Tu passes un chrono après, ça sur le live. Kilos. Mais gros, ça me démonte le live. J'ai peur. Si ça tombe. Hey, Sandy, viens, on se tire la main. Viens, on se tire la main. Non, frère. Je tiens ma main pour pas qu'elle casse. Par contre, vous, faut pas bouger. Hein. Vous, il faut pas bouger. Vous. Je vais te montrer que ton second te boit dans l'équipage. Waouh. Ok, c'est bon. Et vous, le chat. Là, ça va durer minimum 25 minutes. Allez, comment on peut tenir 25 minutes? Et vous, le chat, vous êtes Team Luffy ou Team Zoro avec l'hashtag Zen Edition? Sandy, t'as fait le BDG avec quelle meuf aujourd'hui? Ça tient là. Attends, ça tient là, on a un rituel. Si, je t'ai vu sur l'île. Ah putain, t'as raison. T'as cramé, frère. Là, ça fait 30 secondes. On me dit, là, ça fait 30 secondes. T'es comment Zoro, là, sur le truc? La fille, ça dit quoi, là? Là, c'est la chicha. Tranquille. Wouh. Wesh, la fille va la chicha. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, c'est d'alitière. C'est vrai, je vais pas mentir, ça tremble chez Inox. C'est d'alitière pour chat. Ah, ouais. On n'a pas dit, c'est de la litière pour chat. Mais ça va pas s'ouvrir, de toute façon. Ouais, je vous ai pas dit, c'est de la litière pour chat. Ouais, il a dit, là. Allez, mon frère Obili. N'hésite pas à avancer un peu plus la tête, Grim. Là? Ouais, voilà, vers là. Mais tu veux que ma nuque se brise, on dirait. Ah! T'es quoi, frérot? Non, mais. Frérot! Je t'avais dit de pas bouger! Ah merde, bande de bâtard! Non, mais lui, il avait gagné. Pourquoi tu l'as mis sur la tête? Bande de bâtard! Vous voyez, c'est ça. Moi, les gars, je suis toujours au courant des émissions. Là, je suis pas au courant. Lui, il a failli mourir. Moi, j'ai mangé un truc, on dirait du. Le fruit du sperme, on dirait. Vas-y, je le dis maintenant. Je me prends la litière pour chat. Alors qu'à la base, quand je prépare les émissions, y'a pas ça. C'est trop une dinguerie, j'en ai dans le. Derrière, dans le. Ça me passe dans la bouche. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi je.
Après, frérot, vois le bon côté des choses. Il a dit qu'il allait passer 10 000 euros pour la prochaine émission. C'est non. Vrai. Si tu mangeais le fruit, tu l'as pas mangé, donc il n'y a pas 10 000 euros. Il n'y a pas. Hey, t'as baisé là. Hey, les gars, on vient de goûter crocodile. Eh, franchement, pour les bras de Lily Inox, quand même. Un morceau de la carte. Yes. Ouais. Combien de morceaux exactement? Les potes, dernière épreuve. Vas-y, dernier. Dernière épreuve, vas-y, place-la. Place j'en ai dans le pied, frère. J'en ai dans le pied. Frérot, j'en ai partout. Bon. J'en ai dans le caleçon, gros, te plains pas. Tu vas faire partie de l'équipage, hein, frérot. Oh, ouais, c'est bien placé là, par contre. Ouais. Ah, c'est de l'autre côté. C'est comme ça. Mais c'est quoi ce que le frère de Sanji a du remis sur sa veste? Je sais pas, me parle pas. C'est bien placé là. Mais regarde, Zoro, t'es raciste, tu confirmes. Je vais racer après. Ok, il manque un morceau. Je suis pas raciste, c'est juste okay, que j'ai des préférences et tout. C'est bien. Ouais, bien. Tu le montes là. Waouh, mais ça va être trop bien nettoyé. J'en ai dans les chaussettes. On va devoir tout nettoyer. Enfin, pas vous, mais. Bon. T'es sérieux, la tente. Les potes, dernière épreuve. Dernière épreuve. Ouais. Ok. Ouais. Là, c'est une énigme. Oh, il y en a encore. Donc là, là je vais faire appel un peu à votre capacité à réfléchir. C'est une énigme. Ah bah, on compte pas sur Grim. Gros, c'est un petit CSC, ça, par contre. Attends, tu vas le traiter de gros con là, c'est l'invité là. Ah oui, c'est le pire CSC. Non, reste, c'est vrai. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Je veux dire, votre doigt, il va falloir trouver. Tu es pas prêt? Attendez que je finisse avant de répondre. Ok. Non, attends, il a dit, il était pas prêt. Qui c'est qui est pas prêt? Grim. Usopp. Non, on attend. Usopp, il est pas prêt. T'es pas prêt là? Non, il est pas prêt. Non, on attend. Dis quand t'es prêt et t'inquiète, frérot, on fait quand t'es prêt. Les gens, ils vont partir. C'est bon, t'es prêt? Il y a des joueurs qui fait. Ils s'en vont là. Bon, je suis prêt. Ok. Ouais. Ok. Attends, j'ai pas dit que j'étais prêt par contre, Mais on s'en fout, allez, hop. Ok, vas-y. Ouais. T'as trop la boca là. Ok, d'accord. Oh, la boca. Boca. Quoi il parle, cet enculé? Le trouver est souvent laborieux. Celui qui est le plus précieux est celui. Wesh. Pull-up DJ. Pull-up DJ. Comment tu m'as lancé ça après? Wesh, elle est énervée, Namie. Repars du début, cousin. Celui pour qui il est précieux est aussi celui qui l'enterre. Faire une croix dessus ne signifie pas qu'on y renonce. Qui est-il? Le trésor. Je vous avais dit c'était facile en régie. Tu as dit c'est facile. Niveau CE1. Ouais. Niveau Grim. Pour ça. J'étais en side. Let's go! Ouais, on a gagné l'argent! Voilà! Maintenant, place-le, mon frérot! Maintenant, vous rajoutez ça sur la carte et vous vous démerdez pour voir ce que ça donne. Ça pue là! Et comment ça vous démerdez? Qu'est-ce que tu fais, wesh? Qu'est-ce que tu vois sur la carte maintenant? Alors, il y a écrit quoi? Et bon, il vole un arbre! Je vois quoi? Bah, je vois rien, frère. C'est un ouf! Wesh, non, Zoro, il a pété! C'est toi ou c'est toi? Non, j'ai pas pété! Il a Zoro, t'as pas pété? Mais je suis dans mon truc! Zoro, sur la vie de ta mère! Mais sur la vie de ma mère, j'ai pas. Ok, c'est Billy, c'est Billy! Mais non! Gros, t'as. Vas-y, jure, t'as pas pété! De quoi? Voilà, ça. Mais gros, y'a rien là, je comprends pas ce qu'il faut. Y'a la carte, qu'il y a dans la carte. Regardez là, un peu dans tous les sens, peut-être la carte. C'est de l'autre côté, c'est ça le truc. Ouais, voilà, il est malin. Voilà, moi je suis malin. Mais non, y'a rien là. Mais non, c'est de l'autre côté, il y avait les pointillés. Il y a juste des arbres, frère. Mais non, c'est de l'autre côté, il y avait les pointillés. Attends, mais comment savoir quel côté et quel côté? Ben là, il y a les pointillés. En fait, c'est celle où il y a les pointillés, regarde là. Les gars, je pense qu'il faut aller à Sabondi pour régler cette affaire. Regarde. Les gars, je vois pas. Ah non, mais attends, mais c'est des chiffres en fait, c'est pas des pointillés, les gars. Où ça? Là, c'est un 3, non? Ou je suis un ouf? 3, 2, 8. Ah non. 3, 2. Ah non, 1, 2. Mais non, frère, regarde. 6, 8. 1, 2, 6, 8. Non, mets là à l'envers. Regarde. 2. Regarde, ça fait quasiment la bouche d'Homer Simpson quand il parle. Plus ses yeux là. Oh merde! Non, mon donut sucré. Au sucre. Non, ça c'est fini. Ça y est. Merci. Merci, il faut le dire. Attends, montre. Ah, c'est bon, je vais rentrer chez moi, je pense. Non! C'est protégé, ouais, rentre chez toi, cousin, c'est bon. Hé, t'as dit rentre chez qui? Ah non, j'ai pas dit ça. Maxime, viens, j'ai trouvé! Bah quoi? Mais j'ai trouvé l'énigme! Gros, regarde! Quand on suit le parcours, ça fait ta grand-mère en string de guerre. Allez hop! Elle est morte? Les gars, elle est morte. Ouais, elle est morte, ça me fait trop de peine ce que t'as dit. Moi, c'est pas moi. Oh, t'as rigolé et tout. Ah, you mero! Elle est vraiment morte. Les gars, c'était de l'autre côté, ça faisait des chiffres, vous allez pas me prendre pour des cons maintenant. Vous êtes cons ou vous êtes cons, les gars? Tu craches sur la carte? Mais non, mais ça faisait 8-2.
Mais ça fait 1, 2, il a raison Inox. 1, 2, 6, et là ça fait 8. 1, 2, 6, 8. Attends. Wesh. 1, 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8. Fais 1, 2, 6, 8, frère. C'est sûr, c'est ça. Uh-huh. Timur aurait pas amené un coffre. Mais j'ai de la litière pour chat dans les mais yeux. T'as mis 3. Anakana, Sunelo, Adigatsu, Ayashimono, Sageshi, Yukunasa. Let's go. Alakeno, Chokoi, Dayadurla, be my friend. We are, Tanaku. We are. Let's go. Ça fait 4 ans que je bosse sur le projet des potes, là, moi. On a gagné le Zen Peace, les gars. Oh, let's go. Let's go. Vas-y, mange le pain, ça fait tard. Mais attends, par contre... Mais c'est un nez ou une beuteux? Vous ne pouvez pas savoir. Ah non, c'est une beuteux. Oui, c'est et un marqueur indélébile aussi. C'est... Mais c'est le Zen Peace, les gars. Mais pourquoi il y a un marqueur indélébile? Ça sert à quoi? Mais Zen, ça fait le nez, normalement. Bah oui, mais ouais. Là, c'est une bite. Mais c'est ça pas fait une bite, c'est un nez. C'est oh un nez. Merde. C'est un nez, les gars. Mais quand? Comment? Enfin. Et comment ça, comment? Comment? Comme ça? Comme ça? Ah, oui, le nez, ouais, le nez non, de Wario. Ouais, c'est. Vas-y, fais Wario pour voir. Sur le fond, frère. Fais Wario. C'est lui. Refais bien là. Regarde comme ça. Les gars, bravo. On a réussi. On a réussi, on a gagné Zenbis. Bravo, l'équipe. Bravo. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y avait juste. Wesh. Quel boy. C'est-à-dire, on va trouver un nouveau fruit du démon. Ah, c'est un deuxième escape game. Ah non, ça je sais pas c'est quoi, les gars. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Wesh. Oh, oh non. Non, wesh. Non. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Faut le baiser. Faut le baiser. Non. Oh. Ah. Dernière chance. Zorro. 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 Il a dit une attaque de blitz. Ouais, vas-y. 1, 2, 3. Ouais, bravo. Aïe, aïe, aïe. C'est Barbe Noire, mais... Pourquoi? Bande de petites merdes. Il dit pas ça dans le manga, je crois. C'est vous, les Mugiwara. Luffy. Luffy. Luffy, dis plus toi qui fais arriver. Luffy, dis plus ça. Ah! Ouais, Luffy! Vas-y, Luffy! Wesh, Luffy! Wesh! Vas-y, Luffy! Wesh, elle t'attaque! Avec le guerre seconde! Wesh! Fume-le avec le guerre seconde! Ah, humain! Humain! Et puis le coup final! Démonte-le, Luffy! Venez, Luffy! Par contre, allez, merci. C'est fini là. Let's go. Bien joué les gars. Bien joué. Ça c'est mon capitaine. Tiens, dans un ordre. Il est mort en vrai, je crois. Oh merde. C'est nous, on a la Kamikorp. Frérot, il est mort en vrai, par contre, il bouge plus. Ça va, Kamel? C'est Barbe Noire, c'est pas... Oh, c'est pour rien. Kamel, c'est l'émission, Kamel s'est réveillé. C'est bon. Putain, le combat était tellement ardu. Ah ouais, t'es fou. Pas de canon. C'est ouf. Il doit plus un peu. Oh, c'était baisé. Wesh, il m'a fait une prise de catch à la fin, j'ai été mort. C'est bien fait pour toi. Il m'a fait ça, ce chien. On a tous vu. Oh, merci à tous. C'est fini, les gars, on est plus. C'était exceptionnel. C'est bon? Oh, la lisière, vous êtes des bâtards. C'est fini, là? C'était exceptionnel. Il y a encore un méchant. Non, je t'ai. Au revoir, merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne année. Il y a Tim, il a fait. D'après l'autorat, c'est une scène. Tout le monde est zen. Zen. D'après l'autorat, c'est une scène. Tout le monde est zen, zen, zen. Oh, Max, quel invité vas-tu ramener? De quoi vas-tu donc nous parler? Tous s'installer, prêts à te regarder. Ils ont le mort quand il aura le live. Je crois qu'aucune émission est le time. C'est Pilex ou pas introduction. Accompagné de crime, vous faites la verte. Tout cas 22, c'est CP les enfers. Légendaire.